Hey! Bonsoir à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Ford Fever! Oh yeah! Comment allez-vous? Êtes-vous prêts pour cette soirée de folie avec RFord? N'hésitez pas à voter dans le chat. La question est la suivante. RFord peuvent-ils lutter pour le maintien? Car je vous rappelle que nous venons de prendre en main l'équipe, nous sommes 24e en 6e division anglaise. Donc du coup, il y a du boulot Bonsoir à tous les amis, bonsoir à l'ami Seb. Il n'y a que toi qui parle dans le chat, tiens, c'est marrant ça. <laughs> bonsoir à tous, hein. bonsoir euh, si vous êtes là, n'hésitez pas... Euh... N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, euh, bah, bienvenue, bienvenue à tous. Ils font la gueule, haha. Ouais, j'avoue. J'avoue, ils râlent. Ils font du boudims. <laughs> ils font du boudims. <laughs> non, bonsoir à tous. Hein. Euh, bienvenue. Je pense qu'on va repasser une bonne, euh, une bonne soirée. Euh, J'espère que ça va, toi, mon Seb. Vas-tu bien Vas-tu bien Donc ce soir on programme, hein, tout simplement, on va, euh, on va regarder un peu l'effectif parce qu'on l'a pas fait la dernière fois. On a s'est juste, juste battu la fois dernière. Ça a été long, ça a été. Oh on a mis du temps avant de d'accoucher de ça. Bonsoir l'Angleterre, bonsoir Fan, bonsoir mon pastaga du 86, euh, bienvenue à toi. Et du coup, je disais, ouais, c'était long, on a galéré la semaine dernière, vendredi, euh, pour, pour réussir à, à rentrer, à trouver un club. Puisque je vous rappelle, hein, on a démarré euh, sans diplôme et sans, euh, sans passif de joueurs de haut niveau. Donc, du coup, ça a été un petit peu, petit peu la guerre. Et finalement, on a réussi à rentrer à RFord. Euh, du coup, j'ai fait aussi quelques mises à jour et quelques ajustements hein, sur la partie. J'ai ajouté les stades et j'ai ajouté aussi le face pack. Donc du coup, euh, du coup, on va pouvoir, euh, on va pouvoir, euh, comment dire, euh, être un peu plus immergé euh, pour euh, pour tout ça. Donc n'hésitez pas à voter hein, pour la question est-ce qu'on va réussir à se maintenir Parce que c'est l'objectif hein, qui nous est fixé par les dirigeants du club. Salut mon Manu. <laughs> et comment ils vont Hey, comment ils vont les petits amis là <laughs> Ça va Le plagiat Quoi L'intonation que t'as mis et les mots que t'as choisis, eh ben. on aurait dit quelqu'un d'autre, hein. On aurait dit qui Ton grand copain. Celui qui fait euh, des trucs dégueulasses là. Bah ouais Benjamin bah Tranier bah, ouais. bah oui mais bien sûr, mais moi j'ai pas peur de le dire hein Évidemment So sois pas jalouse. Hein. Et donc, je qui ne vous salue pas, les amis, en ouais, elle en a rien à foutre de vous. Parce qu'elle est malpolie. Non, je rigole. Une vraie fille de Versailles. Madame la Châtelaine. <laughs> non. La Fatelaine. <laughs> la Fatelaine. Vous dites le bien le bonsoir. Eh, hey, Pastaga qui te dit bonsoir. Elle a été déclassée. Maintenant, elle est avec le Calésiens. <laughs> <laughs> Et Takefusa aussi qui dit Fallu jus <laughs> Fallu tout le monde Fallu tout le monde Emmanuel aussi, salut son Altesse jus Ah tu vois il y en a ouais, tout compris C'est des gros faillots hein. <laughs> Ah là là il me dégoûte <laughs> Alors du coup vous avez voté oui En majorité à 86% Ah il y en a une personne Qui a voté non euh, Donc 14% vous pensez que ça va être difficile. Donc 86% pour. Alors, euh, justement, on va, euh, on va tout de suite partir euh, sur la partie. On va. Euh... Qui a voté non <laughs> Quel est l'enfoiré qui a voté non Salut mon John Bienvenue <laughs> Qui a voté non Mais il il va pas se, il va pas se, dé... se dénoncer. Alors justement, j'ai oublié d'aller chercher un livre. C'est ça que j'étais parti faire euh, tout à l'heure. Pour leur montrer. Ne bougez pas, je reviens. Est-ce que tu as lu toute la nuit <laughs> Elle sait tout. Cours, Vol Allez, montre-nous ta belle démarche. Qu'est-ce qu'il est long? Petit, 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 petit! C'est parce qu'il faut parcourir l'aile ouest tout entière du château! Mais voyons, du dû sonner la cloche! J'aurais dû demander à Bertrand d'y aller à ma place! C'est cela! C'est cela, oui! Bon, en tout cas, ça se moque, hein? Ça rigole, ça se moque! Euh, du coup, euh, les amis, je vous présente ce livre! Euh, en fait, j'ai acheté ce livre parce que, alors pas exprès, hein, ça fait un moment que je l'ai, euh, c'est tiré de, de... de so foot et donc du coup c'est vraiment un gros, quand même, un gros bouquin, justement pour voir les tactiques, c'est une espèce de... de résumé, on va dire, euh... comment vous dire, voyez les tactiques, les grandes époques. Euh... Euh, donc, ça parle de tout. Hein, ça parle euh, du, du, du Tiki Taka, du Football Total de, de Johan Cruyff. En gros, c'est vraiment pour parfaire un petit peu. Et donc, je l'ai ressorti et j'ai recommencé à lire ce, cet ouvrage que je trouve fort sympathique. Euh, et donc, euh, je vais essayer de vous donner un petit peu les grandes lignes. Voilà, c'est ça. Euh, donc, le Kick and Rush, le Made in France, le Catenaccio. Le football total, le guardiolicisme, l'école argentine et les geeks. Et donc, en fait, je pense qu'on va essayer d'être de, 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 un, un espèce de. Comment Un espèce de, de, de. Une synthèse de tout ça, je pense. Port de Fever, 5 étoiles en 2 matchs et hop, sélection nationale du Népal. <laughs> ce serait énorme. Ce serait, ce serait énorme. Non, en vrai, euh, je me suis dit. Je me suis dit que comme on allait, euh, on allait voir un petit peu, là on va partir tout de suite faire la revue de l'effectif, ça va être compliqué. Hein. Je vous dis euh, clairement, euh, bah, je veux dire on le sait, hein, l'équipe le, le, pas va pas être folle. On est en sixième div, donc en gros... Voilà Et Pastaga du 86 qui finance la guerre de son yard là. Merci mon Pastouf C'est toi le meilleur. <laughs> Et euh, merci beaucoup à toi, ça fait super plaisir. Donc, du coup, euh, du coup là, ce qu'on va faire, c'est que, euh, en relisant les tactiques, j'hésite, j'hésite, j'hésite à faire une sorte de souké can rush à l'anglaise. Donc, vraiment, en fait, euh, on va dire que la philosophie générale, ça va être de, euh, quand, on, quand on récupère le ballon, d'envoyer le ballon, euh, d'envoyer de, de, des grandes tatanes vers l'avant, et euh, de faire en sorte, en gros, de Faire en sorte que nos tirs mettent moins de 3, de 3 passes pour arriver à la cage, voyez un peu, c'est un petit peu ce que voilà. Le kick and rush, c'est vraiment l'école anglaise, euh, euh, on va dire, des années 60. Et je pense, salut, salut, mon Seb, long ballon devant. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le long play aussi. Voilà, le kick and rush. Alors, en fait, j'hésite soit à faire ça, soit à faire du catenaccio. Parce que euh, voilà, soit on monte une, vraiment une défense, mais franchement je vais vous montrer les stats, on va les voir. Euh, en gros, avant d'aller dans l'effectif, ce que j'ai fait, j'ai été voir dans, euh, dans le, le, le centre des, de l'analyse des données. Et j'ai regardé un petit peu cette équipe. Alors voilà, et effectivement j'ai regardé un petit peu où se situaient nos joueurs dans la ligue. Fang regarde le chat du Discord. Le chat du Discord. J'ai pas lancé Discord. Pourquoi C'est le... la team Iveco encore qui, qui fait chier là <laughs> Attends, attends. Et du coup, vous allez voir, je vais vous afficher un petit peu ça. Alors, pour du Catenaccio, je me suis dit, on va partir sur quelque chose de. de... De pas mal, hein, euh, récupération de balles et tout, avec une défense assez agressive. Alors le, Lequel... Quel chat euh, Le chat, salon textuel Qu'est-ce que vous disiez Takefusa, enfant. Achetez-lui le livre tactique dans deux semaines. Il sera comme ça sur... Euh, sur FM. I am José Mourinho. <laughs> Et tu vois, je l'ai le bouquin, hein. j'avais pas vu, j'avais pas vu, effectivement. <laughs> Mais... Euh... Attendez, il y a... Y, a y a une pub sur la petite vidéo. Attendez, je regarde ça vite fait. C'est un mème. Allez. Mais ouais, clairement, ça m'a trop donné envie. I am Jose <laughs> Je sais pas si, euh, si les gens vont voir... Ouais, non, putain, ça ne marche pas. C'est valable. Mais en gros, vous voyez, c'est... I am Jose Mourinho avec mon petit, mon petit bouquin. C'est exactement ça. Franchement, on est sur... Euh, I am Jose Mourinho. <laughs> Mais euh, du coup, voilà. Donc là, justement, en, en analysant un petit peu les stats, le centre des données, je me suis dit, allez, si on veut partir sur un Catenaccio à l'italienne, on va regarder, il faut qu'on ait une défense solide. Et là... Quand on regarde, vous voyez, ce graphique peut paraître un peu obscur quand on ne connaît pas. Et quand on regarde, c'est si vous êtes dans cette partie de la croix, la croix c'est ça. Hein, si vous êtes dans cette partie de la croix, c'est beaucoup de ballons gagnés et peu de pertes de balles. En gros, quand vous êtes là, vous êtes un bon défenseur. Hein. Ensuite, ici, c'est beaucoup de ballons gagnés, mais aussi beaucoup de pertes de balles. Mmh, donc là, déjà moins bien. Ensuite, ici, vous avez peu de ballons gagnés... Peu de ballons gagnés, mais peu de pertes de balles. Donc bon, ça peut correspondre à notre, euh, notre niveau. Et là, c'est l'inverse. Là, c'est peu de ballons gagnés et beaucoup de pertes de balles. Donc là, c'est l'enfer. Donc là, en gros, on peut voir que euh, nos joueurs sont pas bons. Donc là, déjà, euh, direct. Rien que sur les stats, déjà, on, on, on a une, une, une brève analyse. On va jouer à deux devs, du coup. Bah... En vrai, euh, <laughs> je ne sais pas comment on va faire. Non, en vrai, on va jouer à l'ancienne. On va être à 10 derrière et un devant et on va tout balancer. <laughs> ouais, je ne sais pas. Justement, il faut, faut qu'on en parle, les amis, et qu'on qu réfléchisse à tout ça parce que, mon Dieu. Alors, je suis dans le pire secteur. Pour suivre ton livre. Ici, ils sont encore au télégraphe, chape et au pigeon voyageur. Mon Dieu. <laughs> Mon Dieu, je vous plains, mon bon ami. Alors ici, dans les milieux, si on regarde un petit peu l'analyse des données, qu'est-ce qu'on a Alors voilà, donc là, on a deux deux, deux milieux qui sont hésitants, frappe chirurgicale, donc on va dire qu'ils sont mille uns, mille autres. Euh... Mais donc c'est pas si dégueu finalement dans le milieu. J'avais pas lu les, j'avais pas lu les trucs. Euh, ici c'est vraiment tir hésitant et tir gâché Donc lui il a la limite hein, mais bon. Et en plus je crois que lui c'est un joueur prêté On nous l'a prêté Donc euh, en gros euh, voilà super euh, Bon en gros on n'a pas de bon milieu non plus Et en attaquant En attaquant on a peut-être quelque chose <laughs> 8-2-0 Mais le bus joue en 8-2-0 Et en attaquant par contre on a peut-être ici euh, Milestore qui pourrait être pas trop mal mais euh, voilà, donc là je vous lis. Hein, si vous ne voyez pas ici, c'est beaucoup de passes peu euh, passes imprécises pour les passes attaquants. Ici c'est beaucoup de passes et passes précises. Donc là c'est ici qu'il faudrait être dans ce quartier là quoi. Là ici on a deux. Là on a un jeune donc euh, peut-être qu'on peut le faire progresser ici. Euh, ici pareil, on a un autre jeune qui pourrait euh, monter là. Euh... Et par contre ici on a Là, pour le moment, ils sont en moins de passes et passes imprécises. Super. Et moins de passes et passes pré passe précises. Bref. Bon, du coup, on va aller voir l'effectif. De toute façon, il va falloir qu'on fasse monter des jeunes. Euh, si on regarde un petit peu, euh, on va regarder. Alors là, d'abord, les gardiens. Les gardiens, on en a trois. Euh, lui, il est sans contrat. Et je crois que c'est notre gardien principal. Ouais. C'est notre gardien principal. Tu es quelque part hors du temps vers 1905. Ouais, euh, Seb, il est coincé dans Dark. Dans la saison 2 de Dark. Il est coincé, euh, il est coincé. Euh, donc là, je vous rappelle, hein, en regardant, la... les statistiques en vert sont très importantes pour le poste. Euh, les statistiques bleues sont un peu moins importantes, sont secondaires, mais du coup, c'est bien d'avoir un petit level quand même dans les statistiques bleues. Et les autres, euh, ce sera moins, 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 moins important, quoi. Donc là, on peut voir aussi que les étoiles... C'est pour ça, les étoiles aussi, il faut faire gaffe, parce que les étoiles, c'est vraiment lié à notre championnat, quoi. En gros, euh, croyez pas que là, on a un gardien euh, 4 étoiles et demi... Oh ne croyez pas qu'on a un gardien ici, euh, 3 étoiles et demie, et euh, qui est très bon. Si vous le mettez en, en, en première ligue, il aura 0,5 étoiles, c'est sûr. Merci à toi, Just Person. Et bienvenue dans la team de Fand Fever. Je te promets une mort glorieuse et un repas pour l'éternité au Valhalla avec les dieux et nos ancêtres. Donc on va regarder un petit peu donc, ce, euh, ce du coup euh, Dale Eve, qui est, euh, qui est mine de rien, pas trop... Bah, il est moyen, mais... Ouais, il n'est pas si bon que ça en fait. <laughs> il n'est pas si bon que ça. Il n'est pas si bon que ça. Mais euh, on va dire qu'au poste de gardien de but, bon, il fait 3 étoiles et demi. Bon, on va dire qu'il fait le taf. Allez, ensuite, Dino Vissé, Visseur. C'est un sud-africain, il a 33 ans, donc là on va commencer à, à commencer à partir sur des vieux. Et c'est pour ça il va falloir qu'on qu forme des jeunes et qu'on s'en occupe euh, sérieusement. quoi <laughs> Je suis dans le secteur Mayenne Donfront Vire alors t'as qu'à voir. Ouais, à part l'andouillette, l'andouillette de vire, il n'y a rien d'autre, quoi. C'est ça. Euh, là, ici, par contre, moi, j'aime bien, c'est euh, la communication, ici, du, du, du gardien. Euh, il n'est pas trop mal, mais encore une fois, c'est est un gardien vieillissant. Alors, je sais que les gardiens d'aujourd'hui jouent, euh, euh, jouent plus vieux que, que les gardiens d'avant. Et euh, c'est vrai qu'il n'est euh, pas mauvais. Hein, euh. C'est un joueur vedette et il est dans la force de l'âge. Il est un peu meilleur que Eve. Euh, que euh, joueur secondaire qui pourrait encore progresser. Donc peut-être que Visser serait un meilleur, un meilleur gardien déjà. Bon là on parle juste, voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe quoi. Euh, 640 en note de match, en 10 matchs pour Visser. Ouais c'est pas ouf. Ouais. Attends, elle est où cette note Parce que moi aussi il faut que je. Parce que là je vois un 575. Où est-ce que t'as vu le 640 Ah euh, là, ici. Ouais. Ouais, c'est ça, hein, 6'46". C'est pas foufou, hein. <laughs> c'est pas foufou. Et ensuite, là, c'est un petit jeune, justement. Euh, il est suivi déjà par deux clubs. Euh, par le, le club de, de Canvey Island et de Staines. Et, euh, et il est sans contrat, donc attention à ne pas le, pas le laisser partir non plus. Il a que 19 ans, alors il n'est pas foufou et son potentiel ne va pas être génial non plus. Donc bon, à voir, à voir, à voir, à Ça va être compliqué. Hein. Salut. Alors, sais-tu ce qu'on dit à Eve après un de ses plongeons Non Non, dis-moi. Dis-moi, juste personne. Juste personne. Eve, lève-toi, les enfants ont grandi. <laughs> D'accord. J'ai la rêve. Bravo. Pas mal. Ensuite, on va s'attaquer aux défenseurs. On voit qu'ils sont un peu avertis. Donc, on va regarder ça. Alors, Jared Otschis. Pareil, hein, 35 ans. C'est bien, hein, mais oh, qu'est-ce qu'on va foutre avec ça, quoi Pff, Arrière latéral strict. Jour secondaire. Plus à son meilleur niveau, donc là voilà, il est maxé. On n'arrivera pas à le, à le booster, hein. ça c'est clair et net. Ça, c'est un joueur, euh... voilà, un 6,10 en note, ça va être compliqué. Ensuite, Orin Pradley, Pendley, sorry, donc lui il est un peu plus jeune, hein, 26 ans. On va dire qu'il a, euh, voilà, je tête, tacle 9, il y a même pas la moyenne en tacle. Agressivité, il est un petit peu au-dessus ici, donc ça c'est bien. Courage, c'est bon aussi ça. Euh, détente verticale et puissance. Donc là par exemple, puissance pour notre kick and rush, ça pourrait vraiment être bien du coup. Lui c'est un défenseur central. Euh, mais voilà quoi, je veux dire, euh, il peut encore augmenter un petit peu en potentiel, je dirais, jusque ses 30 ans. Il pourrait atteindre une troisième étoile, ça pourrait être bien. Donc lui, ça va encore, finalement, en fait. C'est pas fou, mais limite, par rapport à Hotchkiss, c'est mieux, quoi. Euh, et donc, lui, du coup... Euh... Qu'est-ce qu'il... Pourquoi... Ça veut dire quoi, déjà, quand ils sont en bleu Ça veut dire quoi, quand ils sont en bleu Ah bah ben non, c'était pas lui. Ah non, mais c'est Orin Prendley, ouais, j'avais sauté l'autre. En prêt ah putain, il est en prêt, bien vu. J'avais oublié. Donc il est même pas là en vrai. Euh, ah si. Pendley, il est là. Pendley est présent. Donc c'est bon. C'est euh, Drow. Drew. Drew qui est, pas, qui est, qui est en prêt. Euh, du coup, il est en prêt chez nous, on est d'accord. Hein. C'est ça. Il est en prêt chez nous. Euh, fin il y a un vieux. Un vieux et un enfant qui traversent la route. Qu'est-ce que tu tapes en premier euh, Bah théoriquement le vieux, pas l'enfant, parce qu'il représente l'avenir. Mais bon, c'est peut-être une mauvaise réponse. Y a-t-il des mauvaises réponses Et lui, effectivement, bon bah lui, on peut, on pourrait le faire progresser. Et lui, par contre, euh, ouais, il serait bon en latéral gauche, euh, lat droit, pardon. Donc, Pedley, on a vu ensuite Lily. Qu'est-ce qu'on a Lily <laughs> euh, Lily est pas mauvais non plus. Hein, et celui-là, il nous appartient. Hein, C'est considéré comme un joueur secondaire. Hein. Il peut encore progresser. Mais voyez, pareil, il a un peu de puissance. Donc, on pourrait, on pourrait envoyer vers l'avant. Euh, automode a retenu. Ah Ah oui, le mot pédale. Et pourquoi pas la pédale de frein Tu tapes qui en premier, c'est ça Pourquoi pas la pédale de frein <laughs> Alors ensuite, qui on a Luke Haynes, défenseur central, mais il pourrait aussi jouer en MD. Il serait un peu moins bon, mais bon. On sait que Haynes il a plusieurs, euh, plusieurs cordes à son arc. Et lui, par contre, ça peut devenir un plutôt bon joueur en vrai. On est d'accord qu'il a un potentiel de 4 étoiles et demi, ce qui est quand même énorme, et il n'a que 22 ans. Donc lui, clairement, euh, lui, on, va le... lui on, peut, on pourrait lui confier, euh, lui confier la défense. Quoi. À moi, je serais assez chaud. Hein. Et pourquoi pas la pédale de frein. Haynes, hmm. donc, soit DC ou milieu def. Ouais, on est d'accord. Ça c'est sûr. Ensuite, Jack Evans. Jack Evans, pareil, c'est un petit jeune. Il a, il a aussi un potentiel de 5 étoiles. Donc ça c'est énorme. Et euh, alors c'est marrant parce que là, ici, il est placé en milieu def. Et euh, il pourrait très bien jouer aussi euh, arrière gauche, pardon. Là, il a une détermination assez élevée. Donc pareil. Je pense qu'en tant que défenseur, on a, euh, on, a, euh, on a quand même un petit vivier de... Il y a de quoi faire. Vous voyez, joueur important, mais pourrait encore progresser. Et il a pas mal de... Vous voyez, il a pas mal de petits avantages. Il est fort, il est très fort par rapport à son âge. Je trouve qu'il est très fort pour la division. Donc ça, c'est un joueur qu'il va falloir chouchouter et ne pas le laisser se barrer. Quoi. De toute façon, il est payé pour le moment, il est en contrat. Mais euh, du coup, on a dit, donc Evans et Heinz, pour l'instant, euh, bon, bon bon, truc. Ensuite, ici, on arrive à Amadi. Amadi, alors lui, il est soit défenseur centre, buteur centre. Alors... Euh... Ok. Et euh, il n'a pas une mauvaise moyenne. Il est assez régulier, hein, comme on peut voir. Il est assez euh, régulier. Alors du coup, euh, qu'est-ce qu'on en fait de ce joueur Vous voyez, il peut jouer soit buteur, soit... Euh... C'est assez rigolo. C'est un Galois. Décès ou buteur, ouais c'est bizarre ouais, comme, euh, comme truc. Et vous voyez qu'il a un super potentiel. Alors, il arrive en fin, commence à être en fin de carrière. Mais je veux dire, pour nous, ça, c'est très bon. C'est pareil. Oh, ah, il gagne quand même entre 16 000K et 30 000. Purée, il est un peu surpayé, lui, non Bon, en gros, ça veut dire qu'on a un buteur. Donc là, vous voyez déjà, dans ma tête, je suis en train de me dire que on a quand même quelques défenseurs qui ont un peu de patate pour envoyer. Et lui, c'est quand même un bon buteur, donc il a de la puissance, il a machin. Donc, cette, cette, ce, ce long play ou enfin ce long ball ou ce kick and rush peut peut-être être vraiment une solution pour nous, sachant qu'on est dernier et que faut vraiment qu'on bah, qu qu'on trouve une solution quoi. Euh, J'aimerais bien qu'on essaie de regarder ce qui a été fait avant au niveau des, des, des de l'entraîneur précédent. Euh, tu m'aideras peut-être Pastaga à trouver dans les menus, mais j'aimerais bien qu'on regarde en fait ce qui a été fait avant, quel compo il jouait, et voir où est-ce que ça allait pas quoi. Alors du coup Amadi, pas trop mal. Ensuite, Ryan Lloyd, donc lui il est euh, MDMMO. Plutôt centre. Donc lui clairement, euh, bon bah voilà hein. on a quand même un bon, un bon, un bon niveau. Euh, il est meilleur en pied gauche d'ailleurs. Ça peut avoir son, son intérêt. Euh, en puissance, euh, est-ce qu'il a un petit peu de puissance moyen en puissance, mais comme il est au, au milieu de terrain c'est pas mal, il a un peu d'endurance, ça c'est cool, et euh, jeu collectif, donc lui en gros on pourrait l'utiliser vraiment comme un distributeur quoi. En vrai si on a un bon MD, un bon MDF, un bon, un bon milieu déf et un, un bon MD, en vrai euh, voilà quoi. En gros, j'ai l'impression que la ligne, centrale, la ligne centrale est propre. Les deux défenseurs, les deux défenseurs centraux, plus un MDF, MDF, plus un MC, plus l'attaquant. Et lui, on pourrait, on pourrait le basculer peut-être des fois en milieu offensif. Vous voyez C'est pas, pas incohérent, quoi. Donc c'est bien, c'est bien. Lloyd. Bon, je vais avoir du mal à retenir les noms. Il va falloir que je me les fasse. Alors, oui, tu vas dans calendrier et tu choisis un match déjà fait dans la liste. Ah, bah ouais, tiens. Attends, on regardera. On finit de regarder les joueurs. On, on va regarder après ce qui a été fait. Et nous, après, on va faire notre tactique, les amis. Et euh, voilà, ça va le faire. Lui, il est quoi, lui Légère inquiétude. Mécontent de son temps de jeu. Après avoir été modifié et ne, et ne correspondre. D'accord, ok. Non, non, mais lui, de toute façon, il va nous le falloir en titulaire. Hein. Je pense. Qu'est-ce qu'on a ici Ouais, là on a un joueur qui est plus moyen mais qui a un potentiel. Il a... Est-ce qu'il a des stats de ouf? Pas incroyable non plus. Hein. Milieu récupérateur. Bah lui, par exemple, Hanson. Euh... Je... Il n'est pas sur mauvais, mais il est moyen, quoi. Par rapport à l'autre qui a perdu un peu de temps de jeu. Bon, Hanson, je vois pas trop l'intérêt. Après, il est jeune encore, mais bon. Ça pourrait être un remplaçant pour moi. Des milieux box to box. C'est quoi déjà ça, euh, le box to box? Je me souviens plus. C'est vraiment ils défendent dans, dans, dans une case, hein, c'est ça? Ils restent dans leur case. Le box to box. Attends, si je vais dans euh, les milieux... Je sais plus où est-ce qu'on voit les... MC. Euh, non. Les tâches. Il attaque et il def, il court partout. Parfait pour le kick and rush. D'accord. <laughs> donc pourquoi pas. Alors lui, il est en prêt chez nous aussi. Euh, Jarvis, il a 24 ans et il a plutôt une grosse un gros niveau pour nous. Bon après, euh, moi ce qui m'énerve, c'est que c'est des joueurs qui ne nous appartiennent pas. Donc en gros, euh, bon. C'est bien pour la saison. Ça peut nous dépanner, mais en vrai. Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, il n'a pas, pas un mauvais rôle, quoi. Alors les mezzala, c'est quoi déjà? Euh, ceci est une interprétation moderne du mezzala. Un joueur axial qui aime jouer dans les espaces laissés libres. Euh, entre l'axe du terrain et l'aile. Le mezzala est une sorte. est une sorte d'allié. Oh bon son. Oh Est une sorte de, de demi ailier d'accord, qui défend généralement plus haut, même si ses responsabilités défensives sont moindres. Ok, donc joueur plutôt tourné vers l'attaque, quoi. Salut mon James, j'espère que tu vas bien. Alors ici, disponible en prêt, Harry Pinchard. Oh le picoleur, lui. Ouais, lui, putain, il a une tête d'enfant. Oh, la vache! Mais lui, pourquoi il est disponible en prêt, en fait euh, Lui, on pourrait, on pourrait, on pourrait s'en servir, là, en ailier, En ailier, surtout si on fait du kick and rush. Il n'a pas une note dégueulasse. Il a des stats plutôt... Alors, les centres, bon... Euh, on pourra peut-être lui faire bosser, justement, les centres. En... Euh, en... En, entre en entretien. En... Un entraînement individuel euh, et il a un potentiel de 4 étoiles sûres avec possiblement une cinquième étoile donc très bien pourquoi il est disponible en prêt lui non 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 ça on va modifier ça hein. pinchard ensuite euh, comment il s'appelle Kane Thompson Kane Thompson Sommers alors Kane Thompson Sommers il a une jolie coupe de cheveux en tout cas ça doit être gênant pour faire des têtes mais il a un peu comme Pinchard, il a. Euh, par contre, il a des moins bonnes stats, je trouve. Non Ah, il a de la déterre. Il a une bonne accélération. On va re-regarder euh, par rapport à Pinchard. Agilité Pinchard, il est plus agile. Et dans les centres, par exemple, qu'est-ce que ça donne, Thompson Thompson dans les centres, ouais, ils sont à peu près équivalents. Hein. Hmm. Oh Bonjour à toi, Seb Audran Gmail.com. <laughs> à toi, t'as mis, mis ton adresse complète. Euh, bienvenue à toi. Et merci de rejoindre la troupe des furieux vikings, la Femme de fever. Je te promets de l'or, du pillage et des femmes. Et au cas où tu meurs, le valhalla avec le repas avec nos glorieux ancêtres, ainsi que avec les dieux. C'est déjà pas mal. Bienvenue, bienvenue. J'ai eu quatre pubs. Mais c'est bizarre ça que vous ayez autant de pubs. Ah, mais par contre, à chaque fois tu te barres et tu reviens, James. Ah, si tu fais ça, c'est normal. Hein. Si tu changes de chaîne, je crois que c'est pour ça. Non Bizarre. C'est pas normal parce que là, la prochaine pub, normalement, elle est dans 30 minutes. C'est pas moi qui les déclenche, en fait. C'est bizarre. Allez, on continue. Euh, Jack, Jake Holmes, 21 ans, encore un jeune, très bien, qui pourrait progresser soit jusque 3,5 étoiles alors qu'il est à 3 et possi possi possiblement jusque 4,5 étoiles et de là, donc là on aurait un ail gauche et en vrai je comprends pas franchement quand je vois l'équipe j'avais regardé vite fait je m'étais dit oh là là ils sont pas terribles et tout et, euh, et en fait finalement je veux dire on n'a pas une équipe de merde non plus donc euh, je comprends pas pourquoi ils prennent des pins en fait Là, on est 24e. Hein. Donc, dernier de 6 ligue. Une minute de plus pour 20 secondes. I don't know. Alors, ensuite, Ryan McLean. Un petit jeune aussi. Il a un potentiel ouf aussi. Très bonne accélération, agilité, centre. Ah, putain! Donc en fait, euh, je crois que c'est ce qu'on va faire. Hein. Notre ligne d'attaque, on va pas les faire centrer, on va tous les faire rentrer dans la surface de réparation. Et le but, ça va être de pilonner le but. Et on va les, on va les pourrir comme ça, quoi. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. Parce que là, ils ont vraiment des niveaux de centre euh, pas terribles, quoi. Fan, as-tu de l'orage chez toi Non, j'ai pas de l'orage, pourquoi Non, non, il y, a, il y a du vent par contre, c'est la tempête, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... d'orage. De, de, de Alors ici, euh, My Story Donc du coup, qui, bah lui, est à son maximum de potentiel, il est plutôt euh, Voilà, un âge moyen, titulaire régulier dans la force de l'âge. Ok, a de soutien, et lui, il est encore moins en centre, il a 5 en centre. Par contre, il a une bonne axelle et une bonne vitesse. Donc, c'est bien ça. Allez. Et on termine par Tyron Barnett, les amis, qui est plutôt attaquant et pareil, qui est, qui est âgé. Hein. Enfin, je veux dire, qui est âgé. Qui est en fin de carrière, quoi, tout simplement. Euh, attaquant pivot. Hmm. Voilà, il est à 3 étoiles. Bon, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, en tout cas, de, de, de l'effectif Il y a quand même de quoi faire. Ouais, lui, par contre, il est vraiment sur le déclin. Hein. Joueur secondaire, euh, ouais, bon. Ça c'est le joueur de joueur que je, je vais tenter d'éjecter tenter ça. Ça, ça devrait être disponible en prêt enfin euh, en prêt ou à la vente, quoi. Bon après il ne nous coûte rien. On peut le garder. Mais bon. Qu'est-ce que vous pensez? Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cet effectif? Est-ce que vous pensez que c'est correct? Ou pas. on va regarder un petit peu la dynamique de groupe. Hmm. Salut mon gym Mon Jim. Pardon. Alors du coup, bah forcément, on n'a pas... Euh, on n'a pas... Pour le moment... Euh, fait d'influence sur l'équipe, sur hein, on vient d'arriver. L'atmosphère au club est moyenne. Donc voilà. Par contre, les joueurs euh, sont encore loin de pouvoir fonctionner comme un seul bloc. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. franchement... Euh... Alors, Hotchkiss, c'est le capitaine. Et donc, il est un joueur très influent. Alors, Amadi, ok. Visser. Story. Ok. Il bah, y, y a des gars qui s'entendent bien quand même. Hein. Et le Sulash, il me semble Jarvis, il nous a été prêté. Et apparemment, c'est un joueur influent aussi. C'est bien. On va essayer de toute façon de créer des dynamiques et tout. Et euh, alors compo d'équipe, ça c'est vrai que. Voilà. Ça c'est nouveau, ça je crois. Salut mon Kevin <laughs> Bienvenue à vous. Eh hey, vous êtes 14, c'est ouf. Alors en apprentissage. Mm -hmm. En train de percer. Ça, c'est bien ça. À son meilleur niveau. Et expérimenté. Ouais, ils sont expérimentés, mais ils sont vieux et moyens quand même. Hein. Pff, lui, par exemple, Hotchkiss. Euh... Pouah Deux étoiles, euh, bon. Ouais, en remplaçant, mais. Euh... Oh, Qu'est-ce qu'on va foutre avec ça Lui, c'est pareil, hein. Joueur expérimenté, mais euh, bon. Ouais, si, il a de la puissance, quoi. Mais bon. Qu'est-ce qu'on va foutre avec ça Bref, allez. On va s'attaquer un petit peu au cœur. Au cœur du truc. Alors, non, ce que je voulais faire, on va regarder le calendrier. Alors, donc, j'ai rajouté, je vous disais, les stades. Hein. Donc, maintenant, euh, quand on va par exemple dans un club, West Ham par exemple, peu importe, pouf, on clique dessus, on a les stades. J'ai rajouté les têtes. Donc, voilà. Nous, c'est vraiment parce que nos, nos joueurs ne sont, sont pas connus, donc euh, ils n'ont pas encore euh, tous des têtes et tout. Mais, euh, mais du coup, voilà, on a amélioré un petit peu le truc. Alors, je voulais voir le calendrier. Très bien. Donc on va regarder un petit peu euh, le truc, et la préparation, ça a été dur dur, hein. en vrai. Ils ont gagné un seul match de prépa, contre Cornouille, et Cornouille... Je me demande si Cornouille, c'est pas... Ouais, c'est ça. C'est une équipe de, du Pays de Galles, genre, qui est vraiment nulle, quoi. Enfin, qui a une demi-étoile. C'est une des équipes chez qui on aurait pu démarrer aussi. Hein. Donc, vous euh, voyez, euh, bon... Pas de quoi fanfaronner. Ensuite, Welling. Welling United, je crois que c'est euh, une équipe de 6ème div aussi. Donc, match nul. Super. Ensuite, Skuntorp. Skuntorp qui est en Vanarama. Ah, en Ligue Nationale. Donc, au-dessus. 1-1. Ok. Là, on a perdu 3-0 à Evrexham. C'est euh, de... Ah bah non, c'est aussi de la, de la National. D'accord. Et Huggerford. Hungerford. Ouais. Mmh. Bon c'est pas terrible. Ouais, on a quasiment presque tout perdu. Quoi. On a gagné 3 matchs et on a fait 3 euh, nuls. Tout le reste c'est perdu. Et donc si par exemple on clique sur. Euh... Non. Alors si je clique sur ce match-là, par exemple... Est-ce que je peux voir euh, voir le match Alors non, peut-être pas comme ça mais ah si. Alors. Ouais. Vissère, Lloyd, ouais, bon d'accord. Bon ça à, à peu près euh, c'est pas pour le moment, c'est pas c'est pas con là. Hein. La tactique là, on a un 4-3-3. C'est pas si mal. Les statistiques par contre sont pas bons quoi. C'est ça Ouais, y a personne qui brille, à part euh, Lloyd ici qui a été euh, homme du match en plus. Ok, bon, mettons. Ensuite. Ensuite, ensuite. Là, ici, on a pris 2-0 là. Ça, on a pris 2-0 contre Blythe. J'aime bien ce club aussi, Blythe. Euh, voir le match. Comment Les défaits. Les détails de ce match ne sont pas disponibles. Ah merde Merde. Bon, bref. De toute façon, nous, on va repartir sur des... Euh... Salut, Damsbip Damsbip Bip, 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 bip. On va partir sur, euh, du coup, euh, une tactique. On va ignorer ça. On va choisir aucun, euh, aucun de ces trucs-là. On va construire nous-mêmes euh, nous notre tactique. Alors, sur quoi partons Euh... Un 4-3-3... Avec euh, un milieu défensif me paraît bien. Parce que je pense qu'on a l'effectif pour faire ça. Et je vous dis comme on va partir sur du kick and rush. Je pense qu'un 4-3-3, ce serait pas mal. 4-4-2, j'ai peur qu'on n'ait pas... Euh, j'ai peur qu'on n'ait pas le matos. On n'est pas le matos, genre au milieu. On est assez pauvre en milieu. Donc... Euh... Je pense qu'on va s'appuyer plutôt sur une grosse défense. Euh, le 4-4-3. Euh, alors, en jeu large, oui. En gros, ce qu'on va faire, c'est que les arrières-lattes vont être des, des défenseurs stricts, je pense. On va essayer de tout passer. Euh, voilà. Tout ça, toute la ligne du cul, toute la ligne de def va balancer sur les ailes ou devant. Et ensuite ils vont essayer de rentrer dans la euh, dans la dans la boîte et euh, et, euh, et on va essayer de tirer euh, tirer au euh, machin de toute façon je veux dire tant qu'on voit pas nous comment euh, comment la tactique se, se comment ils réagissent sur le terrain et tout tant qu'on n'a pas de vraiment d'analyse pure nous comment nous on les ressent eh ben en fait euh, il faut un truc simple 80% du coup des, euh, des 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 buts marqués ce, avec le Kick and Rush se marque en moins de 3 passes. Donc je pense que c'est un truc qu'on peut, euh, qu peut tenter. Ce qu'on va faire, on n'a rien à perdre pour le moment. Et j'ai envie de dire qu'on pourrait partir en mentalité offensive, euh, positive, pardon. Euh, on va relire un petit peu ça. Alors j'hésite toujours entre euh, prudente, équilibrée et positive. Cette mentalité est surtout utilisée dans les matchs dans lesquels vous semblez être l'équipe la plus forte. Mais vous vous méfiez des contre-attaques. Donc nous, on partira peut-être sur de la prudente. Cette mentalité est surtout utilisée dans les matchs lors desquels vous ne pensez pas être capable de garder la possession du ballon. Donc c'est clairement ça. C'est clairement ça. <laughs> Formation en 1-1-8 et montée. Ben ouais. Alors, soit en 1-1-8 monté ou l'inverse. Tu vois, en 8-1-1 pour pas en prendre. Et après, on lance le mec et il se démerde. Il joue à 1 contre 4 et il se débrouille en haut. Donc, du coup, voilà. Euh, le but est de fermer les espaces en défense et de soutenir rapidement vos attaquants lorsque la balle est dans la zone défensive de votre partenaire. L'idée est de mettre le ballon devant suffisamment rapidement. Pour trouver des espaces dans le dos de la défense. C'est exactement, je pense, euh, ce qui va coller avec notre kick and rush. Ce serait la prudente. Alors, avec la défensive, et surtout utilisée dans les matchs lors desquels vous partez perdant, euh, vous vous attendez à être mis sous pression lors de longues périodes. Hum, le but est de bloquer les espaces. Non, on va plutôt rester sur de la prudente. La prudente, ce serait bien. Alors. Essayons de composer un petit peu. Euh, pour l'instant, euh, bah en gardien, en gardien, euh, ouais, c'est ce que j'allais dire. Viscère. en fait, eux deux pourraient alterner. Hein. Bon, là, le, le, le petit jeune, c'est vrai que. Waouh! Alors, le petit jeune, je ne me, je me souviens plus de sa fiche, mais je crois qu'il n'a pas un potentiel de fou. Ah! Donc du coup on va peut-être pas le laisser lui. Euh, on va mettre viscère pour le moment. Euh, alors là c'est pareil. On va voir des défenseurs latéraux. Ou plutôt... Euh, je crois que ça on va le modifier. Ce sera des arrières latéraux stricts. Parce que vous vous souvenez, dans les, dans les stats, tout à l'heure, dans l'analyse de données, le centre de données, vous aviez vu qu'on avait quand même pas mal de pertes de balles. Donc, euh, clairement, il faut faut pas qu'ils jouent trop à la baballe, en fait. Il faut vraiment. Ils bloquent, ils empêchent de passer, et ensuite. Et ensuite, on. Voilà, quoi. Alors, lui, il nous est prêté. C'est gentil. Mais euh, ça fait chier, quoi. Parce que, parce que, parce que. Euh... Parce que on va faire progresser un joueur qui sera plus là euh, après et ça, ça me saoule un peu, mais bon, on va le garder. Pour le moment, on n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix. On va le mettre. On va faire la compo, euh, la compo la mieux, la mieux équilibrée. Et après, on va retoucher les, les. Bah tiens, on va le faire maintenant d'ailleurs. Alors DL de soutien. Alors arrière latéral. Euh, le défenseur latéral est un joueur clé dans le football moderne. Il doit en effet non seulement remplir ses traditionnelles tâches défensives, mais également déborder sur son aile pour soutenir les attaques et créer le surnombre. Si on se met en latéral, en, en latéral strict, Alors attendez, je regarde aussi le petit schéma. Ouais, il monte. Ah ouais, carrément comme ça. Mais sachant qu'on ne va pas centrer, quoi. Enfin, je veux dire, là, Aaron Drew, il a 9 en centre. Moyen, quoi. Et si on le met en arrière, en arrière latéral strict Latéral strict connaît ses forces et ses faiblesses et se, content, se concentre avant tout sur les tâches défensives. Ne s'aventurant que rarement en attaque. De toute façon, il faudra faire des tests. Hein. On affinera au fur et à mesure. Mais je pense qu'on va partir là-dessus en vrai. Alors ici, alors Amadi, non. Amadi, moi j'ai envie de le foutre à l'avant. Alors, n'oubliez pas, Amadi, c'est le fameux joueur qui peut jouer soit défenseur central, soit, soit buteur. Voilà, c'est soit défense, soit, soit attaque. Mais il ne il fait, fait pas les, les deux. <laughs> Alors, en athée, en attaquant avancé, attaquant en retrait. <laughs> Attaquant pivot, c'est quoi ça déjà Un attaquant pivot peut transformer une équipe moyenne en bonne équipe grâce à son physique imposant, lui permettant de semer la confusion dans la défense adverse et de créer des espaces pour son coéquipier. Ça, ça peut être pas mal euh, l'attaquant pivot dans le sens où on va essayer de faire jouer les ailiers dans la boxe, comme on a dit, balle au pied. Donc en vrai, l'attaquant pivot, c'est pas mal. En le laissant... Euh... Alors, attaque ou soutien on peut le mettre en soutien, hein Ou on peut le laisser en attaque aussi. On va le laisser en attaque pour le moment. Ouais je construis bizarrement hein, mon équipe, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Alors Pendley, c'est vrai qu'on avait dit que c'était pas trop mal. Donc euh, Pendley, euh, on va vérifier, mais normalement c'est ok. Is ok Pendley Pendley isoké, ok, il peut encore monter un petit peu, mais il euh, y a quand même de la puissance. Euh, il a de la détente verticale, un peu d'agressivité. Donc, franchement, en défense centrale, c'est bien. Il a du courage, donc il va pas hésiter à aller euh, à cartonner. Par contre, euh, les centres, c'est de la merde. Donc, eux, par contre, les défenseurs centraux, s'ils ont vraiment des, des, des longues balles nulles, euh, on va peut-être demander du coup à ce qu'ils passent au milieu défensif. Ou... On va voir. Mais ça va. Euh, Penléon garde. Alors, ensuite, c'était Lily. Alors Lily, je me souviens plus. Détente verticale, puissance, courage, décision, concentration. Jeu de tête, marquage, tacle. Oh, ils sont pas des stats de ouf. Hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Pff, dur dur. Dur dur, dur dur. Alors ensuite, qui on va prendre en DL Evans. Ouais, parce que Chquis, il, il, il est frappé, quoi. Enfin... Pff. Evans, lui, c'est vraiment un bon joueur, quoi. C'est un très, très bon joueur. Donc là... Hum, hum. Non, on va le mettre aussi en défenseur strict. Ouais, ouais. Défenseur strict, il a une très bonne déterre. Bonne puissance. Il est pas mal, hein. lui, franchement, euh, j'aime beaucoup. Alors, c'est quoi ses pieds faibles Alors, il est gaucher, d'accord. Euh, plus faible attribut. Faible techniquement, mais on s'en fout. Nous, on ne veut pas un joueur technique. On veut des joueurs anglais, quoi. Des joueurs qui tacquent quand il faut tacler, qui frappent quand il faut frapper, et qui remontent, qui, dé qui montent et qui descendent. Voilà, c'est tout. Esprit de compétition. Ouais, c'est rien, ça. Meilleur pied, ne joue que d'un pied. Ouais, mais ça. Le marquage n'est pas son point fort. Par contre, il a une bonne influence dans le vestiaire. Il a un potentiel pour la div. Niveau actuel. Ok, point fort dans le jeu. Très bien. Notre ligne de défense, elle est faite. Et je dirais que... Euh, en arrière latéral strict, il sera très bon. Et c'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande. Ensuite, alors on a un milieu défensif qui est pas trop mal, je crois. Ah, c'était lui, c'était Evans. C'était qui Ah non, c'était Lloyd Légère inquiétude. Non, non, mais Lloyd, on avait dit qu'il ferait partie de notre dispositif. Regardez-moi ce potentiel. Ah non, c'était pas Lloyd. Qui c'est qui pouvait jouer au milieu de def C'était pas Lloyd. Alors attendez, attendez, attendez. Ah, ou c'était Haynes ah oh, c'était un des deux, je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est Heinz. Ouais. C'est ça. Il est bon en défense centrale. Mais il est bon aussi en milieu récupérateur ou en milieu défensif. Mm -hmm. Ouais. Luke Haines. Alors par contre, le poste. Est-ce qu'on euh, est qu le laisse comme ça alors, c'est quoi la différence entre un milieu def. Alors, attendez, je regarde juste ça. Ah oui, donc là, c'est une étoile qui pourrait gagner. Hein. Donc, attention. Intention en défense, du coup. Milieu récupérateur, du coup. Euh, Évoluant en milieu terrain, le milieu récupérateur a pour tâche principale d'effectuer le pressing sur les joueurs adverses et gagner le ballon. Est-ce qu'il a une bonne agressivité ou. Ou quoi, ou quoi que ce soit. -il. Attendez, en MD et repastaga, Un milieu def. Ouais, on va le laisser en milieu récupérateur parce qu'il a quand même une bonne, il a une bonne agressivité, il a du courage, il a de la déterre Il a une bonne endurance, donc euh, ouais non, c'est très très bon ça. C'est très très bon. Haines en milieu récupérateur. Milieu défensif récupérateur, c'est très très bien. Et là, ici, effectivement. Euh... Alors on va regarder. Alors ici, il nous faut un box to box. Alors là, on aurait Jarvis. Donc il est aussi prêté. Tu vas être en 4-3-3 du coup. Bah, en vrai. En vrai, je me disais que le 4-3-3, avec des défenseurs stricts, tu vois, avec toute la défense en strict, pour justement balancer les ballons, tu vois. Et finalement, le 4-3-3, c'est pas si mal, parce que j'ai peur qu'on soit léger niveau effectif concernant les milieux. On a plus de défenseurs que de milieux. Quoique. Ouais, mais j'ai envie de le tenter comme ça. J'ai envie de le tenter comme ça, quitte à les, euh, quitte à les remplacer. <laughs> ben ça, on verra bien. On va voir, euh, on va voir ce, que ça va, ce que ça va donner. Hein. Si c'est vraiment dégueulasse, faudra peut-être tout changer. Alors, Mezzala. Est-ce qu'on part sur un Mezzala J'ai pas trop envie. Euh, parce que, du coup, ça veut dire qu'il va. Oh. A tes souhaits Merci. Euh... Je pense que les box-to-box c'est bien quoi Et je pense qu'il en a la capacité. En plus c'est un joueur en prêt donc euh... au pire tu es viré si ça marche pas. Oui bah voilà c'est tout. Hein. De toute façon on, on, pourra, on, 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 on va certainement être viré et si on n'arrive pas à remonter ça va être compliqué. A tes souhaits madame Ford dit Merci. James. Et donc du coup en autre... Ah voilà, c'était peut-être lui alors. Lloyd ici en... Euh... Alors, milieu axial. Je sais pas si on va laisser ça. Hum... Milieu récupérateur non. Meneur de genre retrait non. On peut très bien aussi... Euh... Ouais. On pourrait très bien le mettre aussi en... Et si on met milieu récupérateur mais en soutien, ça fait quoi ça Alors attends. Évoluant au milieu de terrain, le milieu récupérateur a pour tâche principale d'effectuer le pressing sur les joueurs adverses et gagner le ballon. D'accord Il doit cependant être doté de qualité technique pour conserver la balle et créer les occasions. Ouais, je ne suis pas sûr d'avoir. Alors, pour les latéraux, grosse réserve sur le poste choisi, si je peux me permettre. Pour les latéraux, grosse réserve sur le poste choisi. Ah, euh, les arrières latéraux, tu veux dire Ah, alors pourquoi Parce que là, en vrai... Comment dire Moi, tu vois, c est, c est, dans, dans, ma, dans ma vision du Kick and Rush, tu vois le, le petit symbole, tu vois, le, le petit, la petite description. Tu vois, il, il balance vraiment vers l'avant, quoi. Alors lui, on pourrait lui faire faire autre chose, hein, parce que lui, il est assez polyvalent, il est assez bon, en fait. Tu vois, il pourrait être latéral, euh, latéral ou arrière. Du coup, <laughs> c'est pas évident à prendre comme décision. Hein. Alors lui, il a des passes plus directes. Prenez moins de risques. Parce que moi, c'est ça qui me fait peur. C'est qu'on prenne des caisses, en fait. Je veux une défense béton. C'est pour ça que mon idée, tu vois, c'était ça c'était de tous les avoir en défense stricte. Salut, mon James. Merci d'être venu. Arrière latéral en def, alors. Arrière latérale, comme ça, en défense. Prendre moins de risques. Centrer en profondeur. Ah oui. Centrer en profondeur. Ah bah c'est ça alors. Ah ouais, ce serait mieux. Ah c'est un DL du coup. Et donc pareil pour lui. Ouais. Eh bah ce serait mieux. T'as raison. Ce serait bien mieux. Merci, merci à toi. Surtout n'hésitez pas, hein, si vous avez... le but c'est qu'on construise l'équipe ensemble, hein, donc euh, n'hésitez pas à, à ce qu'on échange et à ce qu'on parle de tout ça. Euh, justement, c'est le, le but. Hein. Si vous pensez que je fais des, je fais des bêtises. Là c'est pareil, le, le troisième poste en ayant un milieu récupérateur défensif ici. Euh, ah non, c'est un milieu défensif celui-là alors j'ai mis milieu défensif en défense. Dribblez moins, tirez moins souvent, restez en place. Et un des deux du milieu, je mettrai un poste de créateur. Alors lequel euh, Attends, je regarde Lily. Lily il me semble qu'il a euh... alors créateur. Pendlay. Bon ils sont à peu près à niveau en milieu de terrain pardon. Ah oui en milieu de terrain. Donc plutôt Lloyd alors. Parce que Lloyd il a vraiment une bonne note. Et on va regarder euh, en meneur de jeu par exemple. En meneur de jeu. Il a quoi Jeu collectif. Il a un bon jeu collectif. Il a une bonne vision du jeu. Enfin, non. Il a du sang-froid. Désolé, je n'y connais rien. Je me concentre sur mon cours en ligne. Il me reste 38 heures à faire pour vendredi prochain. Je joue à ts 2 en même temps. Ah, bah ouais, mais là, ça fait trop d'infos. Si tu. Ton cours en ligne, plus ts 2 plus moi qui parle derrière de trucs de foot, Et effectivement, ça doit être compliqué, Kevin. <laughs> Et donc, du coup, tu dis Oui, Parfait. Ouais, meneur de jeu en retrait, quoi. Alors, j'hésite entre retrait et soutien. Ah ouais, lui, il fait des appels de balles. Mais il est mauvais en appels de balle du coup. Euh... Ouais, je préfère qu'il tacle. Il a une meilleure note en tacle. Voilà. Milieu défensif, c'est très bien. Enfin, milieu... Meneur de jeu en retrait, D. Ah Il a pas pris Ah merde. Ah oui, non, je suis con. Euh, on a dit meneur de jeu en retrait. Et meneur de jeu avancé, qu'est-ce qu'il fait du coup hmm. Non, je laisse tomber le code pour faire des heures et après ma mission à TS2, je fais mon cours en ligne. Ah, d'accord. Parce que sinon, j'allais dire, ça fait beaucoup. Meneur de jeu en retrait soutient quand même. Ouais, parce que sinon, il n'y a personne qui va aller en attaque, quoi, c'est ça <laughs> Il y a personne qui va attaquer. Bon, on fait ça. Là, on a un box-to-box. Box. Lui, il veut progresser. Bah, t'inquiète pas. En plus, un joueur prêté. Alors, lui, on va le faire carburer. Et puis euh, voilà. Alors les Eli maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose Alors lui, on l'avait mis disponible en prêt. Et pourquoi faire quoi Pourquoi C'est c'est lui presque qui a la meilleure note. Ah non, c'est celui qui a la moins bonne note. Mais pourquoi 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 Alors c'est pareil ici. On va, on va peut-être les. Tu peux enlever le dispo en prêt. Ouais, ça, il faut le retirer parce que ça transfert. Dispo transfert. Euh... Attendez. Non. Alors attendez, c'est dans transfert peut-être Les prêts. Dispo transfert. Ah, sur le joueur Attends. Tac. Holmes. Transfert. Di dispo transfert. Non. Annulé. Putain. Mais. À droite. Dispo transfert listé ah voilà dispo pour prêt pas de prêt possible voilà très bien confirmé indisponible merci euh, tactique on revient sur Holmes Holmes du coup on va le faire jouer euh pas facile de te dire. Ouais, non, mais c'est clair, un hein, par écrit, c'est vrai que c'est une galère. Euh, attaquant intérieur. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Parce que là, ailier, c'est pour centrer. Si je regarde le petit dessin. Non, ouais, non, 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 non. Non, 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 non. Faut rentrer dans... Euh... Alors c'est quoi la différence entre attaquant intérieur Ah il est peut-être plus polyvalent en attaquant un, un, qu'en hélié intérieur. Qu'est-ce qu'il fait là ici hmm. L'héli intérieur tente de repiquer fréquemment dans l'axe dans les 30 derniers mètres afin de créer des espaces pour les latéraux afin, euh, et leur permettre de dé débouler. Ouais non. Non, 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 donc ce sera attaquant intérieur, je pense. Élié sur les côtés, c'est très bien. Ah, tu laisserais élier, toi, parce que vu qu'ils ont, euh, ont, des qualités de centre pourries. Après, ouais, tu me diras. On peut les laisser élier, c'est ça, et leur donner comme consigne de d'essayer de rentrer dans, le, dans la surface, c'est ça. On peut essayer de faire ça. Ce que tu vois là, ce qui m'énerve, c'est que là, c'est marqué centrer d'avantage. Moi, je veux qu'ils aillent. Je veux qu'ils aillent. Euh, je veux pas qu'ils centrent sur euh, sur le sur le buteur. Parce que là, ils vont... Parce que là, tu vois, ils vont faire ça. Ils vont prendre plus de risques, mais ils vont centrer moins souvent. Tu vois Mais en attaque, et pas soutien, alors. Alors... Ça, en attaque. Ouais. Repiquer dans l'axe, monter, monter davantage, centrer moins souvent. Ouais, bah c'est ça. Comme ça, du coup, on va avoir 3 attaquants. En gros, on va avoir cinq def. Enfin. On va avoir. Euh, on va avoir moitié, moitié, quoi. On va avoir cinq def et cinq attaques. Eux, ils vont être en soutien des deux attaquants. Enfin, des trois attaquants, on va dire. Et euh, eux, ils se chargent de la récupération et de leur latter les, les burnes. C'est pas si mal, hein. Alors, qui on a ici Alors, attendez, on va. Ah oui, il y avait Pinchard. Attendez. Euh... Ah, je me souviens plus des mecs. Attendez. Ah, ouais, il y avait lui, je le trouvais un petit peu, petit peu moyen, mais il a un bon potentiel. Ouais, ouais, ouais. Alors, attendez. Hop, tactique. Lui, on va le mettre aussi en, en attaquant intérieur. Attaquant intérieur. À gauche, je mettrai ailier intérieur. Ah, ailier intérieur euh, Ailier intérieur. Alors, c'est quoi ça, ailier intérieur mmh. Alors, l'ailier intérieur tente de repiquer fréquemment. Il va risquer l'axe et il va dribbler. D'accord. Lui, il va essayer de passer en force. Alors. On peut essayer en attaque du coup, je suppose. Et il euh, faut qu'on regarde par contre ses stats. Centre, c'est moyen. Contrôle de balle. Ok, appel de balle. Oh, il a 7 en appel de balle. Dribble, il a 10. Ok, si on essaye de regarder qui on peut avoir à la place. Euh, Pinchard, par exemple. Alors attendez. Euh, il est où mm, Pinchard. Pinchard a 10. 10 en dribble. Oh, par contre, ici, en corner et tout, il est pas mauvais. Hein. Il a centre, contrôle de balle, accélération. Eh, c'est peut-être pas mal. Hein. Et l'autre, euh, Holmes, ça donne quoi Ouais, lui, il ne faut pas qu'il... Ah si, il dribble aussi. Par contre, il n'est pas bon en corner et en machin. Et euh... à gauche, tu mettrais donc Elie. On a dit Elie attaque. Et donc, est-ce qu'on laisse Il faut un droitier à gauche. Il faut un droitier à gauche. Pourquoi un droitier à gauche Moi je vois à gauche, je suis gaucher. Lui il est quoi lui Lui il est gauche. Gauche à gauche, non Pourquoi un droitier Pour que quand il rentre il soit sur le... Sur, sur son bon pied. Alors... Euh, Pinchard, il est quoi lui Pinchard, il est gauche aussi. Et... Euh, Jarvis, il est quoi lui Ah lui, il est pied droit. Ah ouais, mais du coup... Ah euh, oh ouais, non, je peux pas le faire jouer. Ah, euh. oh, quoique lui il est moins bon en dribble en ailier euh, en ailier intérieur ça peut le faire hein Jarvis Jarvis en droitier à ce poste-là alors regardons Alors là, on a dit, et lié, attaque. Ok. Et là, du coup, il nous faudrait. Euh... Là, il nous faudrait. Ah ouais, c'est ça le problème, c'est les milieux. C'est que je suis pas très fourni en milieu, quoi. Bah, c'est encore lui le mieux, en fait. Hein. Thomson Summers, hein. Finalement. Jarvis est au milieu. Bah ouais, ouais mais du coup euh, du coup, c'est ce que c'est <coughs> ce que j'imaginais, tu vois, il est aussi bon euh... tu vois, il pourrait alterner avec Pinchard. Pinchard. Tu vois ce que je veux dire il est, pas, il est pas mauvais en... Ici quoi. Tu vois Sinon, Pinchard, on est lié à gauche. Alors, on remettrait Jarvis en box. En fait, je pense que Jarvis en box-to-box, c'est mieux. Parce que euh, parce que c'est est un joueur de meilleure, meilleure qualité. Je pense qu'il a plus d'endurance. Et comme il faut un triple poumon, tu vois, je pense qu'en box-to-box, il sera mieux. Et effectivement, ici, on peut euh, alterner euh, Pinchard et... Ah euh... eh oui, il y avait lui aussi... Storay je l'ai oublié lui. Story, ah ouais lui joue plutôt de l'autre côté, mais il est pas il est pas mauvais à gauche non plus. Hein. Il a une bonne accélération en plus. Par contre en dribble il est moyen. Euh, je pense qu'il est meilleur euh, Pinchard. Mais attendez, je rêve ou Pinchard est sur la liste des prêts aussi Mais vous, vous foutez de ma gueule ou quoi Dispo transfert, Demandez un prêt, pas de prêt. Confirmé. Merci. Ils ont des bons joueurs, ils veulent les foutre en prêt. Ils sont cons quoi. Alors, on va. Je pense qu'on va partir là-dessus. Euh, non, pas bossement Parce qu'il est un peu faible encore. Lui, par contre. Lui, par contre, lui, il peut être sur le prêt. Lui, on va le mettre disponible en prêt. Alors, attendez, euh, là. Ensuite, Jared Hotchkiss. Bon, vraiment, parce qu'on n'a pas le choix. Hanson, je ne me souviens plus. Euh, Kane Summers. Ah oui, euh, Thompson Summers, on le garde. Ah oui, il y avait McLean. Alors, attendez. Ah, parce que pour l'instant, je ne les connais pas encore bien. Et euh, McLean. McLean, il pourrait être remplaçant de. Il pourrait être, ça pourrait être un bon remplaçant de Holmes. Ouais, il est encore un peu jeune. Il est encore un petit peu jeune, mais euh, franchement, on, on le fera rentrer régulièrement, je pense. Je pense. Il est où, il est où Merde, McLean. Voilà. McLean, il a un putain de potentiel en vrai, hein. Qu'est-ce que vous en pensez Et pas ailier un t Ah, du coup, euh, du coup pas ailier 1T alors le pinchard. Pinchard. Toi, tu le laisserais quoi Genre, on le mettrait aussi en attaquant Attaquant intérieur Sans, Du coup, pinchard. Et ailier 1T et pas ailier pur, pardon. Il faudrait que tu motivises le poste pour, pour optimiser son pied fort. Du coup, tu le laisserais ailier alors est lié ou attaquant. Parce qu'en gros là on aurait un truc bon c'est très symétrique. Euh, moi j'aime bien la symétrie j'aime bien quand c'est droit. <laughs> mais là du coup là on a une grosse défense et, euh, et là du coup on a une belle attaque en vrai. Hein. Avec un petit euh, trois poumons ici qui peut euh, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? dis moi mais Là, si tu gagnes ton premier match, je me mords un testicule. Mais <laughs> ce que Manu nous dit pas, c'est qu'il a plus de dents. <laughs> il, pose son... il pose ses dents sur le. <laughs> je rigole, je plaisante. Bah, Il faut un droitier, du coup, à un gaucher. Ah! Oh une seule testicule. <laughs> T'as intérêt à avoir des milieux solides. Euh, ben ouais. Mais on verra hein, si ça se tombe. Je me trompe du tout au tout. tout hein. Et on n'est pas bon du tout. Les petits points rouges. Hmm. Il faut tester. Ouais. Il faut tester, il faut tester. Alors, on va continuer. Donc, avec le ballon, qu'est-ce qu'on fait Alors, sortez de la défense. Euh, non, alors attendez, déjà la largeur. Quelle largeur on joue On va être plutôt axial. Plutôt axial, je pense. On va essayer de faire euh, une grosse flèche dans le milieu, quoi. On a AMD, on a deux milieux euh, vraiment, voilà. Et ensuite, on a un buteur qui est aussi un défenseur. Donc, euh, niveau puissance, là, j'ai l'impression que la lame de fond a situé au milieu, quoi. C'est pour ça que j'ai plutôt envie de jouer, euh, de jouer axial. Ici, on va jouer dans la surface, ça c'est sûr. Ça me semble très offensif pour une équipe prétendument faible. Comment, comment te dire euh, C'est pas tant offensif, c'est juste que c'est là maintenant. Là, on va commencer à dire euh, où est-ce qu'on. Comment on balance, quoi. Genre là. Euh... En gros, le but, le, le but du kick and rush, c'est vraiment, les amis, qu'on balance tout vers l'avant, quoi. On fasse du. du, du... Du long ball, quoi. On envoie la balle devant et à l'avant, les trois attaquants, ils se démerdent. Vous voyez ce que je veux dire c'est Ce serait comme un catenaccio, mais pas forcément euh, basé sur la contre-attaque où il faut des joueurs qui courent, qui soient, très, euh, qui soient très puissants. Là, les mecs, ils peuvent rester à l'avant. Tant que la défense, elle fait le taf de, de, bah, de récupérer des ballons, après, on s'en bat les couilles, on balance tout devant et justement, comme ils sont faibles, ben... Ils vont, euh, ils vont se débrouiller avec le ballon euh, à l'avant. Alors c'est peut-être une mauvaise tactique. Hein. On, on, on va voir. On va voir. Euh... Alors ici. Alors passer dans les espaces... Euh... Ça je ne sais pas trop. Passer dans les espaces demande aux joueurs de chercher à effectuer des passes dans les espaces pour trouver des coéquipiers lancés. Du pur jeu à l'anglaise. Tout pour l'attaque. Ouais, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Genre, c'est, faut se dire que c'est des mecs qui... Voilà. Quand ils ne quand ils sont pas sur le terrain, ils sont au bar, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en gros, c'est des joueurs puissants. qui balancent tout vers l'avant. Et maintenant, il faut que j'arrive à, à... appliquer cette, euh, ce truc-là dans le, la méchoire, là. Alors, construction du jeu... Toi, tu ferais, tu ferais une sorte de 4-5-1. C'est ça, euh, Seb Attends, on peut revoir. Parce après, on peut ajouter une autre tactique. Hein, mais, euh... Toi, tu ferais une sorte de 4-5-1. Euh, non. Merde, c'est où les. Euh, choisir une formation. Il n'y a pas plus de. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de. Attendez. Tac. Modifier la tactique. Ton attaquant, en faire un pivot qui est remis sur les latéraux. Merde. Comme ça. C'est ça Perso, je descendrais les deux joueurs d'un cran. Ouais, d'accord. Faire un milieu cinq, ouais, ton attaquant en faire un pivot qui remis sur les latéraux. Ouais, c'est déjà le cas hein. En fait, c'est déjà, euh, déjà un peu ce, qui, ce, que, ce que là, on prévoit, en fait. Hein. Merde, ça a tout bougé Oh non Oh non Ah, oh, ça, ça me saoule. Ah non, c'est la deuxième. Non, non c'est bon. En fait, c'est déjà ça, c'est-à-dire que... En gros, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs quand même qui vont se charger de. Comment dire De proposer des solutions d'attaque. Clique sur la une, ouais. Ouais, je me suis trompé. Bon, là, c'est. Parce que là, ça, c'est. Ouais. Ah, c'est pas si mal celle-là, hein. Bon, on supprime euh, 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 supprimer pourquoi il me dit que il a du rouge il euh, y a des mecs qui ont été changés ah ouais putain ah ça ça saoule quand ça fait ça euh, amadi à l'avant on a dit et euh, pinchar et holmes inversé tac voilà, voilà, là on est équilibré. Là on est bon. Pas 5 postes offensifs et 5 défensifs, je trouve ça équilibré sur le papier. Ouais non, moi ça m'a l'air correct. Hein. De toute façon après, comme on dit, il faut, faut tester. Alors du coup, on continue avec le ballon. Alors, plutôt jouer axial, ok euh, alors ici, justement, c'est là où il ne faut pas que je me, me foire. On va concentrer le jeu dans l'axe, dans la ici. Et après, euh, alors là, on ne va pas débouler, on est d'accord. Il hein. n'y a personne qui déboule, puisque chercher les déboulements sur l'aile. Non, on veut que notre défense elle reste en place. Hein. Centre varié, faire des centres flottants, centrer en force. Voilà, ça, ça m'a l'air bien, ça. Parce que je vous rappelle qu'on a pris des joueurs qui sont euh, des gros bourrins. C'est les joueurs anglais de base, en fait. Hein. C'est pas du tout comme le football latin, plus. Euh... En gros, ce qui s'explique dans le livre, là, justement, sur, euh, sur les tactiques pour le kick and rush, c'est qu'en fait, le truc c'est que dans les pays, les pays anglo-saxons il pleut souvent et en fait tu peux pas euh, comment dire ça glisse donc en fait vaut mieux des fois balancer des grosses balles devant et très fort plutôt que d'essayer de faire un des gris-gris type brésilien en fait Vous voyez ce que je veux dire si t'as pas un terrain sec, impossible, ça marche pas. Alors, tu voyais plutôt ça dans le style 4-2-3-1. Ça, ça peut être aussi une autre, euh, une autre tactique qu'on met en place, hein. En fait, le seul souci, c'est que je suis un petit peu dépourvu en milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de M là, mais en fait, ils ont tous des spécificités. Et euh, compliqué de boucher le milieu de terrain, je trouve. En théorie, le kick and rush, c'est en 4-4-2 de mémoire, non ben En fait, il ouais, y a plusieurs écoles. C'est soit du 4-4-2, soit du. Ouais. En fait, moi, c'est ça, j'essaye de mixer un peu entre le football total, <laughs> le football total et, euh, et, le, et le kick and rush. Mais oui, oui, attends, je vais regarder, je vais vérifier, parce que, tu sais, il y a un espèce de petit résumé. Ah, attendez, je vais vous lire le truc comme ça, euh, comme ça. Euh... Alors, les dix commandements du kick and rush. Trouver la bonne atmosphère, un terrain gras, du vent... Des mecs avec le couteau entre les incisives, sans état d'âme, amoureux de la gadoue sur le visage. Voilà. 2. Jouer en 4-4-2, abuser du 1-2-3, dégagement, déviation, tir. Donc, euh, effectivement, c'est plutôt du 4-4-2, normalement. Euh, dès, la, dès la reprise de la possession, avoir une approche ultra directrice, ultra directe du jeu. On balance vers l'un des deux attaquants chargés de maîtriser le ballon et de faire monter le bloc. Les attaquants doivent avoir des qualités physiques et techniques pour pouvoir jouer au sol et dans les airs afin de dévier vers les ailiers qui entrent à l'intérieur du terrain. Donc c'est ça, toi, que tu pensais... Euh, tu... C'est cet aspect-là que tu avais vu, toi, Seb, du coup. Ensuite, 4. Mettre rapidement le ballon dans la zone de danger. Le long ball permet de lober d'un seul coup plusieurs adversaires. Ravageur face aux équipes qui pressent haut. 5. Plus on passe de temps à proximité de la surface adverse, plus on augmente ses chances de marquer. 6. Plus on frappe au but, plus on a de chances de marquer. Ah, vous voyez, c'est très euh, basique comme réflexion, mais c'est ça qui peut faire dans les basses divisions, je pense. Euh... Quel visionnaire se fend. 7. Arroser la pelouse le, le matin du match. Ainsi, les conditions de jeu se dégraderont au fil du match et l'adversaire ne pourra plus jouer correctement au sol. Le jeu aérien, lui, ne sera pas affecté. <laughs> en fait. Tu veux bien mettre de l'eau dans ma machine, s'il te plaît Merci, ma chérie. Ma chérie <laughs> Ensuite, 8. Voir le football comme une guerre, un jeu fait de duels aériens, de second ballon gagné, de tacles virils et d'impacts monstrueux. Monstrueux, tant pis pour les créateurs. 9. Jouer le marquage individuel et la récupération dans les pieds plutôt que l'interception. 10. Faire des réserves de bandages, bande de crêpes, sparadra et mercure en chrome. J'ai des photos de mecs qui, euh, qui, qui pissent le sang. Et en gros, euh, en gros je vous explique. Ça va être une boucherie. Bah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Euh... Ouais, je sais plus, j'ai une photo où le mec il tacle, mais genre il lève les deux jambes et les deux jambes. Le mec saute pour faire une tête et l'autre il le tacle quasiment euh, là, quoi. Vous voyez <laughs> Alors, du coup, du coup, du coup, quid de notre 4-4-3 euh, De notre 4-3-3 On n'est pas bon, en fait. Est-ce on, on essaye de s'ouvrir une autre tactique en 4-4-2, et on essaie vraiment de faire un, un kick and rush. Et pareil, quid du. Euh, un bon jeu de boucher, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est le cousin du rugby, exactement. Exactement. N Oubliez pas, on est en base dive, clairement. On n'a pas de Mbappé, on n'a pas de grands joueurs. On a des merdes. Mais quand je vous dis des merdes, ouais, l'essaye de pas démarrer ça. Ouais, non, mais voilà! Tout ce qui est gris-gris euh, brésilien, euh, euh, danse portugaise, hula-hop euh, brésilien, euh, tout ça, c'est mort. Tu viens avec ta hache et tu lui mets dans la moitié du tronc, comme ça, quoi. Voilà. Et là, tu t'essayes de tirer pour voir s'il si y a quelque chose qui vient. C'est un peu ça, l'idée. Non, mais en gros, c'est ça. C'est parce qu'on n'a pas de... On n'a pas de, de, grand, de grand, grand truc. Blood ball. Ouais, c'est ça. À, à la Blood ball. Bon, du coup, 4-4-2. Ouais. Mais garde cette tactique quand même, tout à fait. Je dirais même peut-être que cette tactique-là, on pourrait très bien l'utiliser avec une mentalité euh, positive. Quand on, est, quand on se sent plus fort. Vous voyez Ce serait un dérivé. Pourquoi pas Du coup, qu'est-ce que je fais Je laisse ça. Et euh, comme il est motivant, ce coach. <laughs> à fond. Et encore une fois, j'ai pas de sous-vêtements, je vous préviens. Alors, du coup, est-ce qu'on part sur un 4-4-2, euh, voilà Ou un 4-4-2 axial En diamant. Parce que là, du coup, ça ressemble, en fait. Hein D'où l'expression. C'est à la fin du match qu'on ramâche ses dents. <laughs> Le premier. Toi, tu partirais sur un 4-4-2 4-4-2 à plat. Vraiment à la typique, euh, typique anglaise, quoi. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Alors, par contre... Alors, pareil. On est RP. Ouais, c'est ça. <laughs> Est-ce que, ici, on repasse sur... Sur des arrières latérales... Euh, C'était quoi Qu'est-ce qu'on avait mis sur la première tactique On avait mis de l'arrière la, latérale en défense, du coup. Ça, ça me paraît bien. Ça me paraît une philosophie qui est toujours euh, en arrière latérale euh, défense ou soutien. Alors, prenez moins de risques. Centrez en profondeur. Restez en place. Pas de consigne individuelle en soutien. Centrez davantage, non. Euh, automatique ça fait quoi Ça veut dire que ça change selon euh, selon euh, selon quoi Si tu sais ça passe gars Bon les gars vous êtes des merdes mais on va quand même essayer de faire quelque chose Ouais c'est un peu ça Ah ouais on est dernier en 6ème div anglaise Qu'est-ce que tu veux que je veux dire les mecs c'est pas, pas des champions quoi hein. Là on est plutôt sur euh, soit de l'ado qui se tripote Soit... Euh... Bah rien d'autre. La mentalité de la tactique. Ouais. Bah la mentalité de la tactique, celle-là, on va la mettre en... Pareil, en prudent. Ça, ça va être notre tactique principale, finalement. Alors, ils sont en quoi, là Ils sont en défenseur central. Voilà. Ils essayent d'intercepter. On est d'accord Défenseur central. J'espère que ça va marcher, ça. Okay. Arrière latéral défense. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'on va foutre avec ça Parce que Pinchar, finalement, c'est pas si mauvais. Euh... Ah bah non, c'est pas du tout bon quoi. Le gardien est en gardien libéraux ou pas? Alors je sais pas là-dessus. Non, il doit être en défensif. Tu penses que ce serait mieux en libéraux? Parce que vu les. Vu les notes... Tu vois ce que je veux dire? Il est pas mauvais, hein. C'est pas ça. Il est... il est même... ça va, il se débrouille, hein, mais... Prenez plus de risques, non. Ça, ça me fait peur. Il, il balancera des grands ballons devant. Tu penses qu'en libéraux, il va balancer plus de. Moi, j'ai peur qu'il sorte trop des cages. Tu vois ce que je veux dire Ou pas Le gardien libéraux a deux tâches. Gardien de but et libéraux dans le champ. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai pas envie qu'il sorte. Hein. Justement, on a une grosse défense. On a une foule défense pour pas que le gardien soit inquiété. Tu vois ce que je veux dire En vrai, gardien libéraux, ça me fait peur. J'ai pas envie de voir le mec se balader, tu vois, comme dans le petit schéma là. Hors des cages et qu'il aille se frotter aux autres joueurs. Euh, bah bah bah. Mais par contre, lui, on va le faire dégager, on va pas faire des relances à la main. On va... Lui, on va le faire dégager, par contre, dans les consignes. Euh... Les consignes. Ça, c'est ça ce serait mieux. Parce que là, euh... prenez plus de risques, euh... non. Non, 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 non. En plus de son rôle, il a pour consigne... Ah ouais, de dégager... Ah ouais, mais attention, de dégager les ballons aux abords de sa surface. Pour provoquer des contre-attaques. Hum... Ouais, mais du coup, je comprends, je comprends Pastaga. Du coup. En plus, son rôle de gardien conventionnel, il a pour consigne de dégager les ballons aux abords de sa surface et de provoquer des contre-attaques avec des renvois directs dans la course de ses coéquipiers. C'est pas con. En fait, moi, ce que je veux pas. En fait, un peu. Un, comment dire Ce que j'aimais pas, moi, dans ma, la, la vision du gardien libéraux, c'est du Barthez, vous voyez, genre qui sort, mais qui, en fait, des fois, est acculé parce que. Genre il est tout juste et voilà quoi. En vrai dans le jeu ça fonctionne mieux, mais chut j'ai rien dit. D'accord. Bon, je vais te faire confiance alors. Et tu me mettrais quoi Pas soutien, défense Libéro défense Bon, vas-y, on va tenter. Jamais fait. Franchement, j'ai jamais eu les... les cojones de le faire. Alors maintenant, on va attaquer le milieu. Alors, euh... Alors les ailiers, la Pinchard, du coup, c'est pas bon du tout. Il nous faudrait plutôt. Euh... Donc, du coup, celui qu'on avait mis sur le banc, euh, Thompson Summers, il serait plus adapté, apparemment. Alors les ailiers milieu, j'ai un peu du mal à voir euh, ce que c'est exactement. Alors, ailier. Ouais, d'accord, non, c'est juste qu'il fait le rôle d'ailier, mais... Euh... D'accord. Alors, on va peut-être changer ce rôle-là. Pour un ailier intérieur, peut-être du coup. Non. Ouais. lié intérieur et qui serait en soutien. Dans ces cas là. Alors attendez, euh, dribbler plus. Risquer. Repiquer dans l'axe, pardon. Et là c'est monter davantage. Alors si monte davantage. Ouais. Version attaque quoi. On peut essayer. On peut essayer. Du coup ici on va le mettre également euh, et il intérieur. Et du coup on attaque aussi alors. Pour lui on peut le laisser en soutien. Comme ça on a soutien soutien et AT AT. Hum. On va essayer ça. Ensuite. Euh... Alors lui il est milieu axial. Alors Jarvis on... Est-ce qu'on le remet en box-to-box box parce que c'est ce qu'on avait prévu Ce serait bien et en soutien quoi. N Oubliez pas, c'est un joueur qui est en prêt Jarvis et il vient, euh, voilà, il vient d'un club plus fat et c'est lui qui a certainement la, la note la plus euh, la plus élevée chez nous quoi. Euh, et donc Lloyd, on avait dit dans ces cas-là. Euh alors, milieu axial défense. Alors, milieu axial défense, où est-ce qu'on en fait un récupérateur Alors, attendez. Rester en place. Donc, c'est une forme de défense, quoi. Enfin. Hmm. Parce qu'en milieu récupérateur, je veux dire, ça nous fait un un joueur milieu récupérateur en défense supplémentaire. En gros, ça équilibre vraiment 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. En gros, on a 5 euh, joueurs de défense et, euh, et on va dire 5 d'attaque. Vous voyez, c'est équilibré. On peut le faire. Hein Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici si pro... Ah oui, mais en haut, là-bas, ouais, forcément, ça ne va pas. Euh alors, sur les deux milieux qui def, un qui def et un plus offensif. les deux milieux, les deux milieux. alors, donc, euh... est-ce qu'on ne passerait pas en meneur de jeu? Euh... <laughs> En meneur de jeu avancé Alors, attends. Je lis la description, parce que je ne connais pas tous les postes. Hein. Je ne suis vraiment pas un pro-pro du football. Le meneur de jeu avancé peut évoluer comme un milieu de terrain, milieu offensif ou comme attaquant excentré. Milieu axial, il est bon Jarvis Pouf, hum, moyen. Mais on peut le laisser, je veux dire. Euh, le principal, c'est la tactique, quoi. Parce qu'en vrai, en vrai, je me dis, s'il est en box-to-box -box, finalement, il fait des, des, des tâches, de, des tâches du mi de milieu. Et il fait un petit peu. Ah ouais, mais il fait du, de l'offensif, mais il fait aussi du. Tiens, il n'y a pas eu le déclenchement d'animation. Mais on l'a déjà vu. Sepp760. Audrangemail.com. Euh... Ouais, toi tu voudrais qu'il soit plus orienté genre milieu et attaque, c'est ça Dans ces cas-là, on peut le mettre Mezzala aussi. Parce que Mezzala, il va forcément aller. Euh... Il va essayer de se projeter vers l'avant, quoi. Ça fait une sorte de demi-hélier. Et on le met en soutien. Comme ça, il est un peu offensif et. Euh... Et porté vers l'avant quoi. Et comme ça, Lloyd, lui, par contre, il est porté vers l'arrière. Qu'est-ce que t'en penses C'est peut-être pas mal ça. Alors par contre, ici, on va effectivement changer euh, les deux. Et toi, à la place de Haynes, on va mettre... Bah du coup, on va mettre Barnett alors Barnett et on a qui en buteur encore euh, pff, ah ouais on a euh, je préfère axial pour ne pas marcher sur les côtés sur les sur les aïs sur les côtés donc toi tu le mettrais axial axial soutien alors genre comme ça Oui, pour tester. Bon, d'accord. Bon, du coup, on, on le surveillera. On regardera ce que ça donne. Euh... Alors, lui, par contre... Alors, attaquant avancé... Attaquant pivot. Lui, c'est là, là où il est le meilleur, j'ai l'impression. C'est là où il est le meilleur. Et on soutient. Et lui, et lui du coup faudrait le mettre en, en attaquant quoi. Alors attaquant de soutien, faux neuf non. Ouais là du coup euh... <laughs> ou l'inverse. L'inverse, l'inverse. Si on inverse les deux... Non. Non. Attaquant en retrait. Ouais. Et lui du coup en renard de surface. C'est là où il est le mieux. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est lui le soutien parce que techniquement il est plus il est meilleur en fait. Vous savez, c'est le, le fameux Amadi qui peut jouer défense centrale et buteur. Il a une bonne puissance. Il a un bon jeu de tête aussi, hein, 13 hein, en jeu de tête pour un, une sixième div. C'est pas dégueu. Et lui en jeu de tête, il a 15, hein, Barnett. Bon. Renard de surface, c'est inefficace dans le jeu. Ah. Du coup, tu ferais quoi Ce serait mieux euh, attaquant. attaquant pivot en attaque, peut-être, du coup Attaquant de pressing. Alors, c'est quoi ça, attaquant de pressing Genre, lui, il va aller. Euh... Ouais, d'accord. Genre, lui, il va vraiment mettre des têtes aux gardiens. Euh... Enfin, quand je dis mettre une tête, c'est vraiment mettre un coup de boule, quoi. <laughs> ok, ok. Taclez plus durement, plus de pressing et prenez les espaces. Ok. Vas-y, on va le tenter comme ça. Et là, on n'est pas trop mal. Bon. Euh, voyons un petit peu. Maintenant, alors avec le ballon, alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire Parce que là, du coup, on est. Euh... Hmm. Là, on va pas jouer axial, on va plutôt jouer euh, sur la largeur, du coup, je suppose. Oui, mais il n'est pas là pour faire le jeu, donc voilà. Attends, tu, tu veux dire quoi, Seb Alors, sans très de loin, on a dit non. On va essayer de... Voilà. Enfin, quoique. Si, justement. Ah, je sais plus, moi, force. Si on va essayer de centrer, on va balancer tous les ballons quoi. Plutôt que de balancer des grands ballons de vent. Non, nous on veut qu'ils balancent des grands ballons de vent. Ah voilà. La mentalité offensive plus intense sur la gauche. Les passes. Très direct. Alors, par rapport à la réflexion sur le renard de surface. Ah. Alors, les passes. Prenez la défense de vitesse, non euh, Alors, attends, on a niveau direct. lance des grandes sacoches devant et il se débrouille. Ouais, 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 carrément. Ouais, mais justement, mais je veux, je veux, je veux bien, tu vois, je veux bien paramétrer le, le truc. Parce que c'est ça le problème, c'est que je vois ce que je veux faire dans ma tête, mais le transmettre dans le logiciel, c'est ça qui est euh, caractéristique des passes. Alors, je suis Berlou ou pas <laughs> Attendez. Ah, caractéristiques directes des passes. Toi, tu dirais extrêmement direct, c'est ça Les passes très directes. Qui encouragent les joueurs à adopter un jeu de base sur une transition plus rapide de la défense à l'attaque. Ah, qu'habituellement, avec la mentalité d'équipe utilisée avec un ballon qui remonte vite le terrain. Au milieu, d'accord, pardon. Toi, tu le mettrais extrêmement direct. La passe la plus lointaine possible. D'accord. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, vous avez raison. On est bon. On va y arriver, on va y arriver. <laughs> Alors, par contre, le rythme, est-ce qu'on les fait jouer en plus élevé J'aime ces expressions fleuries. Balance des grandes sacoches, j'avoue. <laughs> J'imagine. J'imagine. Je sais pas si vous vous souvenez de. Comment il s'appelle euh, Merde. Euh, celui qui a fait la maison de Monsieur Hulot. Euh, Jacques Tati. Jacques Tati, il avait fait un film aussi euh, où il était facteur et il disait toujours à l'américaine comme ça et en fait c'était un facteur il avait sa grande sacoche avec son avec son avec son courrier et euh, c'était un facteur en vélo force, à, à vélo forcément et du coup à chaque fois qu'il avant de remonter sur son vélo il prenait sa sacoche comme ça puis il la lançait donc en fait elle faisait le tour de son de son corps vous voyez comme les comme les rockeurs ils font euh, ils font avec leur guitare bon voilà ben pareil quoi mais avec sa sacoche il était à l'américaine hop puis il lançait son sac, donc le sac il faisait le tour, et pendant ce temps-là, hop, il a enjambait son vélo. Puis... Voilà. Je laisserai le rythme par défaut pour voir, ouais. C'est le rythme, il était quoi Normal Non, il était euh, comme ça, plus élevé. Euh, gagner du temps euh... Est-ce qu'on gagne du temps Non, parce qu'en vrai, on n'a pas le temps. Justement, nous, on doit, on, doit, on, doit, on doit faire nos preuves. Là, c'est nous qui devons faire le jeu. Alors, des coups de pied arrêtés. Est-ce qu'on essaie d'obtenir des coups de pied arrêtés Alors. Qui encourage l'équipe à remporter des corners, des coups francs, des touches, afin de faire monter des joueurs Ça, ça se peut. Ça peut être bien. Euh, alors, à, après, à voir si on va y arriver. Hein. Ensuite, faites moins de dribbles. Non, ça on va le laisser neutre. Prenez la défense de vitesse. Demandez aux joueurs de tenter de prendre des. Ouais, par la vitesse. Balle au pied, le plus souvent dans la tactique de départ. Alors non, puisqu'on balance des grandes sacoches. Alors, ça casse le, le rythme d'obtenir des coups de pied arrêtés par contre. Donc, du coup, toi tu le laisserais décocher peut-être Comme ça, on aurait. Euh... Ce serait plus pour le jeu quoi, c'est ça? Ah c'est marrant, vous n'êtes pas sur la même, euh, la même longueur d'onde. Après, attention, hein, c'est vrai qu'ils sont pas bons en centre hein, nos joueurs, du coup. Euh, Est-ce que justement, effectivement, le fait d'essayer d'obtenir des coups de pied arrêtés, ça ne va pas nous mettre plus dans la merde qu'autre chose parce que on va les obtenir, mais en fait on va pas savoir les transformer par rapport à une équipe avec des bons joueurs qui, eux, vont avoir une bonne note en centre. On peut peut-être pas. Mais c'est bien d'en parler, comme ça au moins on, on débriefe le truc. Alors là... La... Ça, euh... oui, pour les dribbleurs. Les alliés. Prendre la défense de vitesse. Demande aux joueurs de tenter de prendre les défenseurs adverses de vitesse balle au pied. Plus souvent que dans la tactique de départ. Le but, c'est de les faire paniquer, de les asphyxier. Notre, notre tactique, finalement, aussi. Hein. Un peu. Alors, ça va nous augmenter l'intensité. Mais bon, ça va encore. Pas évident. <laughs> Ensuite, soyez plus expressif. Euh, donne plus de liberté aux joueurs les plus créatifs pour utiliser leur vision et leur inspiration en dehors des limites imposées par la tactique de l'équipe, en les encourageant notamment à dézonner. C'est quoi dézonner C'est pas justement dégager ça un peu Ah non, dézonner c'est sortir de, son... de sa zone. Et là, soyez plus disciplinés, demande aux joueurs de suivre les consignes tactiques de près en restant concentrés afin d'établir un collectif fort. Cela peut cependant avoir comme conséquence de restreindre l'expression individuelle de certains. Alors là, ce que je me demande en fait, c'est ça, c'est dans le jeu. Est-ce que vous pensez que quand on fait du kick and rush, est-ce que justement il faut être discipliné ou est-ce qu'il faut être plus expressif Sinon, tu mets en scatchers » sur le terrain. Et tu mets tout sur leur physique, à fond. Ah, mais pas sûr que les, les catcheurs, ils tiennent les 90 minutes à courir derrière le ballon. Aucun des deux. Ah. Bon, on laisse comme ça alors. Bon, très bien. Donc là, on aurait quelque chose de, de, de correct, quoi. Est-ce qu'on centre en force Ou on, on laisse les centres variés Les centres en force, ça va faire quoi Centres en force demande aux joueurs de centrer la balle dans la surface, en imitant de la vitesse et de l'effet, afin de rendre le travail des défenseurs plus difficile et plus risqué. Ça, ça peut être bien, par contre. Les centres flottants encouragent les joueurs à mettre des ballons plus haut dans la surface, afin de tenter de trouver un joueur ayant l'avantage de la taille. Non. Et le dernier centre à terre, ouais bon, ça c'est à terre. On peut peut-être faire plus des centres en force dans ces cas-là. Ok, ensuite en transition. Pylône du 155 mm et on voit la cavalerie. <laughs> Exactement. Ah voilà. Alors lors de la perte du ballon, regroupez-vous. Ça, ça veut dire qu'on revient en arrière, enfin que les, les, les milieux redescendent. Ouais, ça, ça peut être bien parce que effectuer un contre pressing. Est-ce qu'on a, est qu a les capacités physiques d'effectuer un contre pressing Après, sachant qu'oubliez pas on est dans des bases dives, donc ça veut dire que les équipes d'en face, théoriquement, elles jouent pas mille fois mieux que nous, quoi. Ah oh, je sais pas, putain. Aidez-moi. Lors de la récupération du ballon. Est-ce qu'on contre Bah ouais, on contre. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu le but. En fait, on va dire que le kick and rush, pour moi, je le vois comme un, un ancêtre du Catenaccio. Vous voyez un peu Pas un ancêtre, mais une version plus primitive, en fait. Excellente tactique, Manu. <laughs> bon, le pressing et le regroupez-vous, on n'est pas obligé de choisir tout, hein, d'ailleurs. Alors, euh, gardien avec le ballon, ralentissez le rythme. Ou relance rapide. Alors, on peut relancer sur les ailes du coup. Comme ça, on balance. Ou alors, relancer. Eh, est... putain, on va faire ça. On va balancer des grandes sacoches. C'est comme ça qu'on va faire. Pour la relance vers la zone des joueurs, on va relancer au-dessus. On va relancer au-dessus de la défense adverse. Genre en mode, où s'en branle, on balance tout vers l'avant. Un à péter. Alors, peut-être pas mille fois mieux, mais vous êtes 24 e tout de même. Désolé d'enfoncer le clou. Non mais c'est vrai, franchement... Euh... Non mais là, du coup, c'est bien, on va, on va tester une tactique pour se sortir d'un mauvais pas. Longue relance au pied. Ça fait quoi, ça Alors, rajoute, longue relance au pied. Ouais, c'est ça, dans les types de relance, demande au gardien de privilégier les longs dégagements au pied lorsqu'il relance le ballon. Ouais, c'est comme Barthez, quoi. Hein c'est un peu ça, bon, désolé pour la ref, ça fait un peu vieux, mais... Alors, formation défensive. Euh, donc là déjà on a une bonne intensité, hein. ils, vont être, euh, ils vont être un peu sollicités pour des joueurs de 6 bases division. Alors bloc intermédiaire, ligne défensive, est-ce qu'on laisse ça en bas ou en formation défensive Si on est comme ça on les fait plus chier, on est d'accord. C'est comme ça de base. On peut très bien les emmerder un petit peu quoi. Bon, J'espère par contre que nos joueurs ils vont tenir le, la cadence physique en fait On peut laisser hein. Alors les tacles euh, Ça fait un peu baby foot Avec les barres blanches ouais, j'avoue Alors ligne, ligne défensive On peut la baisser hein Bon, pff, quoi que... Il y a trois niveaux en fait. On va la laisser. Presser vers l'axe. Presser sur les côtés. Empêcher de centrer. Ah ça c'est clair. Alors, ne vous jetez pas, demande aux joueurs de tacler debout au lieu de se jeter. Et engagez-vous plus. La ligne défensive au niveau des vestiaires, ça marche À la porte des vestiaires Porte des vestiaires fermée, ça marche Bon, ça on verra parce que je ne sais pas trop le niveau d'engagement. J'ai peur en fait que ce soit des brutes et qu'en fait on prenne carton sur carton, sachant qu'on a déjà des joueurs avertis. 1, 2, 3. Bon, ça va, en 12 matchs, ce n'est pas, pas si énorme. Mais on ne sait pas s'il y en a qui ont déjà pris des rouges, peut-être. Euh, voilà. Ligne défensive, rester plus haut, rester plus bas. Incite les défenseurs à adopter une approche moins risquée en défendant plus près de leur surface lorsque l'équipe adverse se montre dangereuse. Cela permet de réduire les espaces derrière, mais laisse davantage de champs libres à l'équipe adverse et peut inciter à presser davantage. J'ai envie de tout laisser par défaut. Bah, pff, ouais. On peut essayer, hein, et puis on affinera au fur et à mesure. De toute façon, on va voir comment ils se comportent en défense. On va voir. Bon, bah les amis, on a notre tactique, j'ai l'impression. On a notre tactique. 4-4-2, et on va balancer vers l'avant. Et pour... en plus, ils ont déjà une connaissance quand même de la tactique. Donc c'est pas... Euh... C'est pas mal. Balance l'arbitre avec les sacoches, et euh, plus de carton. <laughs> Alors, tireur de coups de pied arrêté. Euh... Non, mais ça c'est pareil, il est capitaine. Euh... Jared, il est pas dessus. Il est pas sur la feuille. Jared Hotchkiss, c'est l'autre, c'est Haynes. Et Ainz, je suis même pas sûr qu'il soit sur le... Non plus. Voilà, comme ça, c'est fait. Euh... Ah, ça, j'ai jamais fait plan de jeu. Je me souviens plus, ça. Consigne particulière. il oh, y a tellement de trucs à faire, mon dieu. Quelle angoisse. J'ai même pas regardé les mails. Alors, sur la tactique, en haut... Tu mets tactique à travailler à l'entraînement. Tactique. Hop. Tactique principale à l'entraînement. Exact. Prudente perso. On a fait un bon, un bon travail, je pense. Euh, justement, les entraînements, pour le moment, je n'ai pas encore trop regardé. Alors, non. Euh, connaissance principale, non. Alors, ça, c'est pareil. Euh... Alors, il est possible de... que vous souhaitiez déléguer certaines responsabilités euh, associées à ce domaine, même si vous n'avez pas le temps de suivre la préparation. Alors, c'est ça, c'était ZeroDi, euh, en fait, me disait que euh, valait mieux que je fasse moi-même les entraînements. Mais je vous avoue, j'ai rien, euh... rien préparé. Est-ce un problème Hop, me voilà à quai plus qu'avidé et c'est fini pour aujourd'hui. 9h40 et 770 km. Putain. Pile, pile poil. T'as un truc pas loin pour, euh, pour t'arrêter pour Parce qu'avec 9h40 de volant... Euh... Ça te laisse pas beaucoup de marge. Par contre, ils ont tous une très mauvaise condition physique. Hein. Alors, calendrier, on en est où là? On est là, dimanche 16. En gros, ils vont travailler. En général, les corners offensifs. Et après, on ira jouer contre Bla Brackley Town. Et je pense que Brackley Town, c'est un match de coupe. En vrai. Euh, calendrier. On est où? C'est ça. Match à rejouer du quatrième tour qualificatif de la FA Cup. Pourquoi il faut le rejouer du coup Match à rejouer Bizarre. Bizarre. Alors je dors sur place, il y a tout ce qu'il faut. Fait bosser le physique. Ouais. Carrément. Parce que là, ils ont vraiment... Euh... Ils ont vraiment une, une condition merdique. Euh... Et en plus, ils jouent quasiment tous, quoi. Et je peux même pas changer. Je crois que je peux même pas changer en vrai. Si. Mmh, personnaliser. Donc, ouais, on a dit que c'était cette tactique-là. Et euh... je suis perdu. Programme. Choisir un programme. Pré-saison. En Angleterre, quand il y a égalité, rejoue. Oh purée. Ah, je ne me... savais pas ça, je ne connaissais pas. Technique. Coup de pied arrêté. Attaque. Défense. En gros, il n'y a pas de truc physique. Individuel, repos. Général. Physique. Et ben vous savez quoi Priorité absolue. Ils ne peuvent rien faire comme tout le monde. C'est les Anglis, hein. on le sait. Hein. Si on fait du physique, ouais, par contre, ça va les ça va les impacter. Regarde s'il n'y a pas un préparateur physique. Ah justement, il faudrait euh, dans mon staff, je sais plus ce que j'ai. Il faut que je fasse le point. Ah, si j'ai deux préparateurs. Hum. Préparateur physique et entraîneur des gardiens. Ça doit être lui. Comment il s'appelle Danny Carey Birdman. Condition physique, capacité à motiver, ok, détermination, ok. Niveau de discipline. Bon, il n'est pas terrible, hein. mais bon. C'est ouf. Entraînement. Ah. <laughs> je vous avoue que d'habitude, je m'en occupe jamais des... des entraînements. Du coup, je suis un peu perdu. Ça fait longtemps que j'ai pas mis les mains dedans. Euh, on peut choisir... Tu cherches quoi Bah rien, en fait. Je cherche... Est-ce que je laisse encore là euh... Est-ce que tu penses que je délègue les entraînements ou est-ce qu'il vaut mieux que je m'en charge moi-même Pas ça tu connais mieux le jeu, sachant que je suis vraiment, ça, les, les entraînements, je suis vraiment pas, je sais pas trop, les leviers, les machins, je connais pas trop. Oui, délect t'embête pas. Ok. Alors. Euh... C'est dans... Info club et y a responsabilité, non? Mm. Staff responsabilité. de l'équipe ça c'est bon recrutement des directeurs en vrai je serais assez chaud pour déléguer pas mal de choses et ensuite et ensuite reprendre la main sur les choses vous voyez ce que je veux dire pour que ce soit plus, plus plus en douceur et moins moins dans le dur parce que là j'ai l'impression qu'il y a mille trucs à faire et genre oh ça me paraît énorme alors, recrutement des directeurs. Alors, ça, faut que tu gardes la main dessus. Tu veux dire recrutement des directeurs Trouve des candidats pour le poste de directeur technique. D'accord, ouais. Et licenciement du directeur sportif. Mmh. Euh, recrutement. Ah, ouais, non, mais le staff, d'accord, ouais. Oui, oui, oui. Non, non, c'est... Euh, comment on appelle ça C'est... Euh, entraînement, bah voilà. Entraînement, c'est ça. Euh, S'occupe de l'entraînement général. C'est ça qu'on va... Alors c'était qui nous À notre entraîneur adjoint. Entraîneur adjoint et entraîneur adjoint. Tout à fait. Lui, il est responsable des jeunes, on avait vu qu'il avait 20 sur 20 pour les jeunes, donc ça, c'était bon. Rapport d'entraînement, ok, ça, c'est très bien. Euh, responsabilité, bah non, les médias, on va faire. Transfert et contrat, on va faire, mais on n'a pas de budget, de toute façon. Le reste, ça va. Tactique, c'est nous. Match, c'est nous. Je vais finir de regarder les mails, déjà. Alors, ouais, donc, de of Fever nommé, ok. Négociation en cours. Bah, Seb Haussmann, ici. Ça me fait penser à quelqu'un qui est dans le chat. <laughs> tu n'as pas confirmé. Oh merde. Staff, responsabilité, entraînement. Délégué. Délégué. Confirmé. Pardon. Bien vu. Négociation en cours. Je tiens à tirer votre attention sur le transfert de négociation. Centre des transferts. C'est pas moi. <laughs> Message suivant. Bon, bah de toute façon, ça c'est en train de se faire, j'ai l'impression, non On n'a rien à valider ou à pas valider. Alors, tant de jeux attendus cette saison. Alors, Pinchard, joueur secondaire. Euh, Hanson, qui est un joueur en rotation. Holmes. Et Luke Haynes. Ouais, en gros, c'est les jeunes. Les jeunes, ils veulent rentrer, quoi. Pas de problème. Alors, mise à jour du profil des supporters. C'est vrai que ça, euh, j'avais pas encore vu. Tu veux déléguer quoi d'autre Ben euh, je sais pas. Bah, ben, le... Parler avec les dirigeants, euh, non. Recruter du staff. Euh... Ça, euh, je pense que je vais le garder. Ça pourrait être bien. Ça va être dur pour moi demain. Réveil 4h, départ 5h pour arriver à 6h en formation. Puis 2h de conduite. Ah bah dis donc, Kevin, t'es chaud. Hein c'est loin dans ta, ta formation. Conseils et rapports, bah ça, ouais, moi ça je veux. Les médias, bah ça je, je fais. Hein. Ça, c'est pas un problème. Ouais, c'était vraiment euh, l'entraînement. Les tactiques, bah ça, c'est nous qui faisons. Voilà. Euh, le staff peut-être, euh, je sais pas trop, euh, genre... Euh, bah non, non, non. Le recrutement, on fera nos recherches et on fera, on fera nos choses. Hein. Non bah après c'est tout, c'est vraiment l'entraînement moi qui me. Ça me dit rien. Vous voyez Trois minutes de route, mais je préfère être large. Alors, mise à jour des profils, donc, vous voyez qu'on a 12% d'ultra, 36% de réguliers, 24% de familiaux, 10% de footix, euh, 0% de VIP, et on a 18% d'occasionnels. Donc voilà, ils veulent qu'on soit euh, compétitif face à euh, euh, Sheltemham, si nous les affrontons, et contre Newport Co., ça, c'est vraiment un truc de, de supporter, je comprends. Tenter d'obtenir le maintien en Vanarama North et obtenir le maintien en Vanarama euh, van North. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est OK. Objectif pour la saison. Tenter d'éviter la relégation. Alors, euh, les attentes des dirigeants pour la saison prochaine sont les suivantes. Si vous pensez pouvoir réussir de grandes choses dans les compétitions auxquelles l'équipe... Participe, les dirigeants seront prêts à vous soutenir en augmentant le budget salarial afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs. Vous ne pourrez affecter qu'une faible partie des indemnités de budget reçues à ce budget. Des, budget. des indemnités de transfert reçues à ce budget. Alors là, je fais quoi Je clique Non. Atteindre le premier tour minimum. Ça, ça va être dur. Ah bah non, on est au quatrième tour. Donc ça c'est bon en fait. On en est où nous Attendez je regarde. Info sur le club, non c'est le calendrier. Calendrier. Deuxième tour. Troisième tour. Quatrième tour. Et là, fallait atteindre le premier tour. Bah c'est fait en fait, non J'ai pas compris ça. Coupe d'Angleterre. Ah mais non Atteindre le deuxième tour. Ah, ça change que dalle quoi. Tiens, voilà 50 euros en plus. <laughs> Tiens, voilà 50 balles. <laughs> Alors la Coupe d'Angleterre. Quand est-ce qu'on joue nous euh, Coupe d'Angleterre. Ils veulent qu'on atteigne le premier tour. C'est prévu quand ça Calendrier. Calendrier. Euh, coupe d'Angleterre. Y a pas. Confirme juste dans compétition. Compétition. Coupe d'Angleterre. Atteindre le premier tour minimum. Hum. Ah bah c'est le match à rejouer. C'est ça en fait. D'accord. Ok, ok. Ok. Donc là, on confirme. Confirmer, d'accord. Ok. Présentation des tactiques. Bon bah ça, on a déjà fait le tour, hein, j'ai l'impression. Merci monsieur. Et euh, bah, on va pouvoir avancer un petit peu. Hein. J'en pouvais plus. Alors, objectif de la saison, c'est validé. Le fil des réseaux sociaux, bon, le mec va nous informer. Joueur actuellement mécontent. Chris Gray. Agent de liaison des joueurs. Ah, et bien qu'est-ce qu'il a lui Je tiens à vous informer que les joueurs suivants ont déjà des préoccupations dont vous allez devoir vous occuper. Si vous ne souhaitez pas vous occuper des joueurs mécontents maintenant. Vous pouvez leur parler plus tard ou attendre qu'ils finissent par venir vous voir. Bah, Ryan, Lo Ra Ryan Lloyd, il est dans... Euh... Ouais, vivement le premier match. Non, mais en fait, il y a énormément de choses à faire avant. Et c'est vrai qu'il en fait, faut connaître les joueurs. Faut... Enfin, faut... Enfin, tu vois, là, on n'a rien fait, en fait. Et euh... c'est long, mais ça... après, ce ça... Ça sera plus... Euh... Bah là, il joue Ryan Lloyd. Pourquoi il râle, du coup Mécontent du temps de jeu convenu. Moi, je veux bien lui parler, hein, en vrai. Euh, Vas-y, on va lui parler. Hein. Discuter. Préoccupation, mécontentement. Euh, a été modifié et ne correspond plus à celui de titulaire régulier. Bah là, si, hein. c'est toi qui es au centre du truc. On peut lui parler Alors, furieux. Euh, il faut que vous me donniez le temps de jeu auquel je suis en droit de m'attendre. Euh, ce n'était pas le cas avant votre arrivée. Ben, on n'a pas encore joué, gros. Euh, il est fou, quoi, lui. Posez un compromis. Je comprends votre point de vue, mais donc non. C'est un nouveau départ pour tout le monde. Non. Je trouve vos préoccupations tout à fait. Ah, avec l'ancien entraîneur. C'est long à se mettre en place au début. Ouais, c'est ça. Il y a énormément de trucs à valider, à, à confirmer. Et après, une fois que les matchs commencent à arriver, on... c'est plus flex, quoi. Mais au début, c'est un petit peu chiant. C'est pour ça que j'avais peur que ça vous, ça vous saoule, en fait. Mais finalement, vous êtes nombreux. Donc, euh... je suppose que. Voilà, quoi. Et surtout, n'hésitez pas à participer, hein, les amis. Hein. On ne va pas vous manger. Et voilà. Je trouve vos préoccupations tout à fait raisonnables. Et je comprends votre frustration. Je vais tâcher de faire répondre à vos attentes. Bah ben voilà. Récapitulatif. Oui, capitulatif. Bah ben voilà, satisfait. Bah ben oui, regarde. Alors, alors choix du capitaine à Ford. Alors, j'ai pas envie de prendre Jared Hotchkiss, parce qu'il va pas jouer beaucoup. J'ai plutôt, justement, envie de passer euh, Dino Visser en, euh, en capitaine, et de mettre... Il euh, y en a un qui avait du sang-froid, justement... Moi je pense que je vais passer lui. Jaredowski, il va pas être content, mais à la limite, je m'en fous. Et ensuite, Jack Evans, il est sur le terrain, lui, ou pas Jack Evans. Jack Evans. Ouais. Mais oui. Mais oui, le petit jeune à gauche. Ah ouais, ouais. Et ben, Jack Evans, vice-capitaine. Comme ça, on a un gardien. Enfin, on a un mec. Euh, euh, comment dire... Euh, euh, confirmé. Et. Euh, on a un gardien confirmé qui a 33 ans qui est voilà, cadre de l'équipe. Et là ici on a un jeune de 22 ans, mais je leur fais tout à fait confiance. Et on essaiera de faire tourner les gardiens de temps en temps. Comme ça Jack Evans il pourra euh, prendre le capitanat euh, régulièrement. Voilà, donc là c'est bon, on va faire ça. Ensuite, réunion hebdomadaire avec le staff. Euh, pour préparer notre réunion hebdomadaire, j'établis une liste de sujets euh, qui seront abordés par les membres du staff. Lors de cette réunion, les personnes présentes vous expliqueront en détail les conseils qui vous seront prodigués et vous allez et vous aurez la possibilité de demander euh, l'opinion d'autres membres du staff si nécessaire. Vous, vous, si vous décidez de ne plus participer aux réunions à l'avenir, vous recevrez un récapitulatif des conseils prodigués selon euh, les sujets abordés. Inquiet pour la qualité de l'effectif. Bah ouais, non, mais il me fait rire, lui. N'oublie pas de confirmer. Ah merde Attends. Ah oui, en bas. Ah là là là. Alors, qu'est-ce qu'on fait On les prévient On va les prévenir comme ça, ils seront, ils seront, ils seront pas mécontents. Prévenir Hotchkiss de la perte du brassard. Salut, ça va Convaincre. Je vais tenter de vous faire savoir que les membres du staff estiment que dans l'ensemble, vous êtes en train de devenir un peu trop influent. Le... Non, c'est quoi ça Je tenais à vous faire savoir que les membres du staff estiment que dans l'ensemble, vous êtes un membre important d'un groupe de joueurs qui a bien trop de pouvoir au sein du truc. Mais non. Je tenais à vous faire savoir que les membres du staff estiment que, dans l'ensemble, que bien que vous soyez un membre influent de l'effectif, vous avez un effet négatif. Mais enfin, je ne peux pas lui dire ça. Je vais vous retirer le brassard de capitaine car j'estime que d'autres joueurs seraient mieux à même de le porter. Il va mal le prendre, hein, je vous préviens. Ah, démoralisé. Désolé, coach, mais je pense que vous avez tort. Je reste persuadé que je suis le meilleur choix de capitaine. Dégage, tyran. <laughs> Alors, euh, qu'est-ce qu'on a On a faire machine arrière. Non. Euh... Alors, on va pas l'engueuler, se frapper la paume, non. Pointer du doigt, non. Faire un signe de la main. De manière persuasive, non. Écarter les bras ouverts pour dédramatiser la situation. On va plutôt choisir ça comme euh, intensité. Et du coup, on va insister. Je suis désolé, mais je pense vraiment qu'il est temps de donner sa chance à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est le moins, le moins vénère, je trouve. Il est circonspect. Aïe. Alors, inexpressif. J'estime que la conversation a été un échec. Hotchkiss. Ne souhaitant pas perdre le brassard de capitaine. Mais de toute façon, il ne va pas jouer. Hein. Il est trop vieux, il est trop nul, donc euh, stop. Husky s'est affiché une attitude négative tout au long de la conversation. Son attitude, apparemment négative au terme de la conversation, semble être restée. Euh, refléter la, la baisse de morale. Ouais, bah tant pis. Hein. Ça lui passera. Hein. Et on va prévenir Haynes aussi. Alors, Haynes, défenseur central. Hey, C'est un joueur influent lui. Hein. Ah merde, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être pas dû. Heinz. Hmm Euh, D'ailleurs, je suis en train de me demander si euh, on peut pas faire ça et euh, Dino en deuxième. J'ai envie de donner sa chance au gamin parce qu'il a un point de plus en leadership. Mmh. Choix 3. Aïe. Oh, c'est qui le papa ici <laughs> Putain. Bon, qu'est-ce qu'on fait On prévient Heinz aussi ou on dit rien du coup <laughs> Non, bah vas-y. On est parti, on est parti. C'est qu'ils sont sensibles, c'est Choupinou. Mais ouais, putain, en plus, c'est une équipe de foot, les gars, ouais, calmez-vous. Ça va bien se passer, on est en 6ème div, a rien à. Voilà, hein. y a rien à gagner à part des Kinder Bueno euh... à la fin, quoi. Bref. Alors, j'ai l'intention de nouer un nouveau vice-capitaine. J'estime en effet. Euh... Ouais, bah, c'est ce qu'on a dit. Avoir de meilleures options à ma disposition. Euh, je tenais à vous faire savoir que les membres du staff. Non, mais pas trop influents, on s'en fout de ça. Ah, mais il y a plein de trucs, merde Je tenais à vous prévenir que j'envisage de vous retirer le vice capitana car je ne compte pas sur vous dans l'équipe oh Ouais, non, vas-y, on va juste confirmer. T'as raison. Parce que là, euh, ça va créer des dramas et c'est pas la peine. Oui. Jack Evans a été nommé capitaine. Tout à fait. Alors, réunion dans le staff, assistez à la réunion. Mmh, « Dino Visser devrait vraiment remplacer Luke Haynes comme vice-capitaine. » Gros, c'est ce que je viens de faire. « Surtout au regard de leurs âges respectifs, même si effectuer ce genre de changement n'est pas sans risque. Euh, » Sujet suivant. Ensuite. Euh... « Amadi est un joueur influent de l'équipe et estime... » Et estime que l'effectif manque de profondeur en attaque euh, nous ne devrions donc pas le décevoir et risquer de le mécontenter ouais, ben bah, avec un budget transfert de zéro gros euh, tu fais comme tu peux hein, pour euh, la profondeur d'effectif de il serait judicieux de surveiller de près my story en, au cours de ces prochaines des prochaines semaines car selon lui l'effectif manque de profondeur ouais bah ok super merci merci les gars euh, je ne pense pas qu'il soit absurde de penser que si Harry Pinchard parvient à réaliser tout son potentiel, il pourrait se hisser au niveau, voire même de Jarvis. Oui, oui je suis d'accord. C'est bien, hein D'accord Kane Thompson affiche d'excellents progrès depuis quelques temps. Ouais, ok, parfait. Ensuite, Gary Lloyd serait une excellente euh, addition dans l'équipe technique. Pour occuper le rôle... Le rôle vacant d'entraîneur adjoint des U-18. Ah. Alors... Bah non, mais on a, on a quelqu'un, nous. Pourquoi je vais aller me faire chier à changer Serait-ce une très bonne idée d'engager pour occuper le rôle vacant d'entraîneur U-18 au sein de l'équipe technique. Mais j'ai un entraîneur des jeunes qui a. Attendez, je suis fou ou. Moi je sais plus à force. Hein. Staff. Entraîneur des jeunes ici. Non. Qu'est-ce qu'il y avait 20 sur 20 en jeunes Ouais, ou lui 19. Ah mais c'est lui. Bah c'est lui. Mais on n'avait pas un mec qui s'appelle Zek, quelque chose euh, Comment on voit justement entraînement entraîneur des jeunes On peut pas le voir ça euh... Je zappe les réunions perso. Ouais, j'avoue que là. Euh... L'alerte follow bug. Ah oh, zut. Ah oh, merde, bonjour Guigui488, merci beaucoup à toi pour la beau, ça fait plaisir. Désolé, apparemment ça bug le truc. Attendez, je vais, je vais faire un truc. Vous êtes prêts Attention Merde. Ah bah ben non, ça... ça plante. Si je fais ça. C'est pas bon. Je ne vois pas Guigui du coup sur mon truc. C'est bizarre ça. Mode perf. Bon, je suis désolé, mais ne t'inquiète pas, Guigui, Je. Merci à toi. Mille merci pour le, pour le sub. Pour le follow. <laughs> euh, je trouve pas les U18. L'entraîneur des U18. On avait un mec qui s'appelait Zec quelque chose. Effectif. On n'a pas. Euh... Centre d'apprentissage. Ah, mais oui, je crois. Eh ben, justement. Alors, prêt des joueurs, non, ça c'est moi qui fais. Organisation de l'entraînement, c'est le staff, ok. Ça c'est bon. Prêt, non. U18. Euh, 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 euh. Bah lui, Zach Vivian. Regardez, il a 20 en truc des joueurs, je suis pas fou. Hein. Il a une bonne capacité à motiver et il a une bonne gestion des personnes. Donc non, non, moi je change pas, hein. c'est lui que je veux. Du coup, on va dégager là, les... la... la réunion, c'est chiant. Sujet suivant, c'est chiant. Euh, des préparateurs pour occuper le rôle de la formation des jeunes. Ben non. Vas-y, on va faire passer au récapitulatif. Hein. C'était très chiant. Merci messieurs. Allez, en avant. En avant, guingan. <laughs> Un club à me conseiller pour FM. Alors, euh, moi, je pense que en troisième. Alors, moi, je suis plutôt club anglais, euh, Guigui. Mais euh, je te conseillerais soit euh, comment ça s'appelle? Forest Green en du coup troisième ligue anglaise, en troisième ligue anglaise, donc euh, la Ligue One. Forest Green, c'est un club qui joue qui a reçu un label de la FIFA comme quoi c'était le club le plus écologique de toute la Ligue anglaise. Leur maillot, il est un peu original en plus. Attendez, je vais vous montrer ici. C'est Forest Green. Attendez, je me suis trompé là. Forest Green. Alors, je me suis trompé. Ok, je fais de la merde. Forest Green. Forest Green. Forest Green, du coup, ils ont un maillot euh, assez, euh, assez original, ils sont sponsorisés par Six shepard donc ça, je trouve ça excellent, et les mecs, en fait, euh... hein, justement, je suis en train de te dire, Guigui, excuse pour la coupure pub, euh, du coup, je disais, euh, Forest Green euh, peut être un très bon club, il joue, euh, c'est le club qui a reçu le plus de, euh, de, de soutien écologique, écologiste de, de tout le club, leur bouffe est vegan, euh, et ils ont un monde fou dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur stade, parce que c'est vraiment un très grand club, et je pense qu'amener un club pareil, genre en première ligue, pour proposer une autre vision du football, ça peut être sympa. Euh, voilà. Surtout qu'en plus, ils sont dans une dynamique un peu de montée, donc euh, je pense que l'escalier, il est bien pris. Maillot en chanvre tissé et ils font tous les déplacements en vélo recyclé. Non mais ouais, mais ils se déplacent différemment et tout. Ah non, franchement. Oui, mais malheureusement les résultats, les résultats ne suivent pas actuellement l'Iguane. Ouais, j'ai pas regardé. Après, euh, je j'ai pas trop suivi. Dans ce même championnat aussi, il y a euh, Derby, Derby County aussi qui est pas mal. Moi, j'adore. C'est une grande grande équipe, c'est un grand club. Hein. Clairement, euh, Derby County, euh, fondé en euh, 1884. Très, très gros club. Sinon, moi, je prendrais aussi. Je pense qu'en en, Ligue 2, en Ligue 2, il euh, y a Southampton qui est en première ligue. En... Et donc, moi, j'essaierais de monter, pourquoi pas, Northampton en toute première ligue. Je pense que ça peut être pas mal. Bon défi. Voilà un petit peu. Mais non, en char à voile. Et euh, sinon, il y a aussi, tu peux continuer la montée de Sunderland. Sunderland qui était... Euh, bah tu vois, là, ils sont pas bien. Hein. Ils sont pas bien, mais Sunderland, c'est un club qui était il y a quelques années encore en première ligue. Ils sont descendus en deuxième, puis en troisième ligue. Là, ils sont juste remontés. Ah, vous voyez, là et là, ils sont montés l'an dernier, mais euh, je pense que voilà, ça pourrait euh, pour les sauver. Et puis après, euh, bah voilà, hein, pareil. Hein, en première ligue, il euh, y a euh... alors en première ligue, en première ligue, je pense qu'il y a West Ham qui n'a toujours pas de titre. Voilà, euh, Tottenham. Euh, voilà, hein, je pense qu'un de ces deux clubs euh, de Londres, ça peut être ça peut être pas mal. Ok voilà ah oui c'est vrai je l'avais oublié celle-là le char à voile. Norwich City ouais voilà oh il y a plein de il y a plein de clubs en vrai euh, pff, moi j'adore en tout cas je préfère le foot anglais ça c'est clair ah, donc Osman se bar bon bah c'est bien transfert libre ok bon bah donc on perd notre gardien de 19 ans mais je vous avoue je vous avoue il n'était pas bon donc voilà alors ici c'est alors, euh, Simba Bailey, de Non League Paper, vous a appelé pour vous poser une question. Jared se serait vu retirer le brassard de capitaine en raison de l'atmosphère qui règne au sein de votre vestiaire. Pouvez-vous nous en dire plus mmh, pff, Non, on refuse. Ouais, je peux répondre quand même. Euh, J'estimais que nous avions besoin d'un nouvel élan en termes de leadership pour lancer l'équipe. Bah ouais, c'est ça ce n'était pas une décision personnelle à l'encontre de jared. Euh, il, il comprend comment les choses fonctionnent et nous sommes tous unis avec les mêmes ambitions. ouais, on va dire ça. non, on va dire ça. voilà. alors, est-ce que ce sera bien, bien perçu, pas sûr. norwich city. alors, qu'est-ce qu'on a? Un nouveau capitaine pour un nouvel élan. Bah oui. Hein. Alors est-ce que ça a affecté la dynamique de groupe ou pas L'atmosphère au club est plutôt bonne. Ah, donc ça, ça a monté un petit peu. Par contre là... Euh... Ouais, pas sûr que ça ait réduit un peu. Une bonne harmonie règne parmi les joueurs. Bon. Bon, bon, bon. On va voir. On va faire notre premier match de toute façon. Ce soir. Alors, un nouveau capitaine, programme d'entraînement pour les nouvelles semaines. Bon, ça, on va les laisser gérer. Faudra que je m'investisse un peu plus là-dessus. On verra ça, on verra ça. Et voilà, fini pour aujourd'hui. C'est parti pour 11 heures de coupure. Bah, c'est bien, mon Seb. Pose-toi bien. Alors, ça, bon, bah, c'est ok. C'est les. Voilà, si on est absent à l'entraînement, tout ça. On va valider les changements. Enfin, les changements, les. Euh, voilà, c'est rien. Les punitions, voilà. Le football allemand est intéressant aussi. Ouais, ouais, c'est vrai que. Mais je connais pas trop le, les clubs, en fait, c'est pour ça. Je suis pas trop. Tu vois, hormis euh, Dortmund, euh, Schalke et le Bayern, euh, je suis pas trop. Je connais pas bien, enfin. Alors, je tiens à vous rappeler que le prochain match est dans deux jours. Le moment est donc venu de faire le point sur notre préparation du match en vue des rencontres à venir. Ouais, ok. Ouais, bah ça c'est bien. Alors, rencontrer les joueurs. Je pense que le moment serait bien choisi pour vous présenter aux joueurs. Allez, on va essayer de se présenter, on va essayer de ne pas dire de conneries. Alors, positif. Je tiens à me présenter à vous en tant que nouvel entraîneur et répondre à vos éventuelles questions, surtout si, de me, si vous ne me connaissez pas bien. On va dire ça. Déterminé. Ok. Alors, Jack Evans. Certains pourraient avoir des doutes en raison de votre manque d'expérience, de, mais nous sommes prêts à vous donner une chance et à vous accorder notre soutien. Bah, toi, t'as intérêt, je viens de te promouvoir. Il ne faut pas la foirer celle-là. Non, <laughs> c'est clair. Euh... Alors là, euh... qu'est-ce que tu veux répondre oh. J'ai l'intention de réduire la taille de l'effectif, non. Je souhaite davantage de la qualité sur le front de l'attaque. Je veux un milieu de terrain plus performant. Alors qu'est-ce qu'ils nous avaient dit les joueurs il y avait euh, comment il s'appelait Amadi, je crois. Il nous avait dit qu'on manquait de profondeur justement sur l'attaque, ce qui est pas faux. Hein. Du coup, euh, on va peut-être essayer de renforcer ça sur le front de l'attaque, et je pense que ça peut être euh, ça peut être une bonne réponse. Pas de promesse si tu hésites. Bah, de toute façon, on n'a pas de budget de transfert, donc on va pas faire de promesse. T'as raison. Euh, je ne veux pas faire de promesse avant la fin de saison, mais je souhaite discuter de nos objectifs pour le reste de la saison en cours. On va faire ça. Effectivement. Ok, donc ils sont. Voilà. Ok, très bien. Alors, convaincre. Il est hors de question d'envisager une seconde que nous devions nous battre pour le maintien cette saison. Nous avons le niveau suffisant pour éviter cela. Ouais. Ensuite, j'estime que nous avons les moyens de nous maintenir et c'est l'objectif que nous devrions nous fixer. Je sais que les choses, les choses ne se sont pas passées avec le précédent entraîneur. Je voulais simplement vous dire que je ne, jugerai pas, je ne vous jugerai pas sur le, cas, sur le classement final de l'équipe, même en cas de relégation. Ça, je ne peux pas leur dire ça. Je sais que la saison s'annonce difficile et je vous demande simplement à tous de travailler dur et de tenter d'éviter cette relégation. En fait, j'hésite entre ça. En fait, je sais pas si je dis il est hors de question, c'est genre on gueule. Est-ce que ça veut dire que je gueule et que du coup j'ai confiance en eux ou est-ce que ça veut dire que je gueule genre je ne suis pas content mmh. Alors, il est hors de question d'envisager une seconde. C'est quoi l'objectif demandé par le club bah, C'est de se maintenir. C'est de se maintenir et de ne de, de pas descendre. Donc du coup on partirait sur les deux premières. C'est ça. Nous avons le niveau suffisant pour éviter cela, quoi. Je me base toujours dessus pour bien répondre. En fait, ouais, mais là, tu vois, par exemple. Et c'est l'objectif que nous devrions nous fixer. Donc non, on va leur dire. Moi j'ai envie de leur dire que en fait on a le, on a le potentiel. On a le potentiel. On va répondre la une. Vous êtes prêts? Je vais pleurer. Dans 3, 2, 1. Toi, tu dirais B. Ah! J'ai envie de tenter la A. Vas-y, si je me foire, tant pis. Hein, ce sera de ma faute. Pour voir. Ah! Content! Il y en a qui, ont, qui sont offensés. Eh les gars, faut vous. Il y en a un, il est blessé. Pourquoi nous mettez-vous une telle pression Ce n'est pas juste. Alors, là, on va essayer de les, de les motiver, de les câliner un petit peu. Les mains levées et les paumes en avant en signe de calme. Genre comme ça. Non. Faire le, faire le signe de la main de manière persuasive. Après, pointer du dos avec assurance, j'aime bien ça. Insister. Je suis, je suis très confiant de pouvoir atteindre les objectifs que je nous ai fixés et j'attends de vous que vous soyez tous derrière moi pour y parvenir. Oh, offensé, et insulté. Non mais eh, les sucrés là, les petites sucrées, faut vous calmer. Hein. Ça va bien se passer. Hein. Les trois faibles de, de l'équipe sont repérés. On va les noter. Hein. Ryan Lloyd, Ryan McLean. Tiens, c'est marrant, deux Ryan. Deux fragiles. Faut, il faut sauver le soldat Ryan. Encore un. Allez. Jack Holmes. Hop, ça va chauffer la banquette. Carrément. Alors, on va leur dire positif. C'était exactement le genre de réaction que j'espérais. Je suis très satisfait qu'une partie d'entre vous soit d'accord avec moi. Ça, on va dire ça, je pense. Bon, si vous êtes sage, vous aurez du pudding et de la gelée de groseille. Ouais, euh, on va être, être positif. Voilà. Convaincre. Je pense que nous pouvons continuer sur notre lancée en FA Cup et parvenir à atteindre la phase finale. Bah ben voilà, regarde, regardez. Ils sont pas contents, là, sérieux Dégoûte. Ils me dégoûtent. C'est exactement... Et là, on va... On va... Les poings serrés. C'est exactement le type de réaction que j'attendais. Tu as bien géré, top. Bah, en fait, des fois, je me dis que ce qui est chiant avec l'écrit, c'est qu'on peut que imaginer ou supputer ce qu'eux vont percevoir. Et c'est là où c'est difficile, des fois, de se dire, mais est-ce qu'on le dit de façon engueulante ou est-ce qu'on le dit de façon positive Genre C'est hors de question qu'on qu dise qu'on est des nuls. En vrai, on est trop bon. On est bon, donc on va le montrer. C'est plus ça. Bon, bref. J'ai également finalisé le code de conduite. Ça, c'est OK. Plutôt content. Nouveau code de conduite, nous sommes le convenir, tout va bien. OK Ben voilà. Donc là, du coup. Bon, rien neutre. C'est exactement ce que j'espérais. Ben voilà, ils sont contents. Beau parleur. J'ai débloqué le truc. Alors. Ouais, bah Lloyd, il va se calmer, et ça va bien se passer. Regardez, il y en a, ils ont. Ça va aller, ça va aller. Regardez Hotchkiss, il faisait la gueule et finalement ça va. Ça va aller. T'en fais pas, ça va bien se passer. Quitter la réunion. Si tu te foires, le moral baisse et du coup ça impacte les joueurs et sur leur performance. Bah ouais, c'est ça qui est horrible. Rencontrer les joueurs, c'est fait. Allez, Roll bille Albert. Alors, de fever à la rencontre des médias. Oh putain, on doit faire une réunion. Conférence de presse, organisée pour vous présenter officiellement aux médias en tant que nouvel entraîneur. C'est parti. Ok, lançons les hostilités avec la première question de Simba Bailey. Ah ouais, on l'a déjà vu lui. Simba, mais c'est le roi lion le mec. Débuté à conférence. Alors tout d'abord, bienvenue, fan. Ressentez-vous maintenant que vous êtes officiellement le nouvel entraîneur de RFord RF Alors, on va écarter les bras, genre en mode Jésus, tu vois, genre c'est magnifique. Euh, je ressens avant tout un grand sentiment d'excitation et j'ai hâte de me mettre au travail. Je suis content d'avoir l'opportunité d'ériger cette équipe et je souhaite me mettre au travail dès que possible. J'apprécie énormément cette chance qui m'a été donnée et je suis bien conscient des défis qui nous attendent. Ouais, on va mettre ça, je pense. Je veux que les supporters sachent que si nous travaillons ensemble d'arrache-pied, les résultats suivront. Ah Ah, j'aime bien ça. Estimez-vous que les objectifs qui vous ont été fixés cette saison sont raisonnables Là, on va le pointer du doigt. Ah merde, on peut pas Euh... Frapper du poing sur la table, non. Scouer la tête, non. Agiter le doigt. Qu'est-ce que c'est que ça Écarter les bras. On est satisfait. Pour que le club puisse vraiment progresser et prendre place parmi les meilleurs. Tout le monde doit se montrer ambitieux et viser le plus haut possible. C'est ce que nous faisons en ce moment. Je suis très satisfait de la direction prise par le club. Tout le monde est prêt à tout donner, moi le premier. Ouais, ça, ça peut être bien. Euh, vous avez accepté ce poste alors que vous ne parlez pas anglais. N'allez-vous pas avoir du mal à travailler tant que vous n'aurez pas appris cette langue euh, Non. Négatif. Non. Sourire chaleureusement. Je ne pense pas que ce soit aussi problématique que certains semblent vouloir le dire. Vous n'avez pas une grande réputation en tant qu'entraîneur et beaucoup de gens ont été surpris par votre nomination à la tête des Est-ce qu'un entraîneur aussi peu connu peut vraiment diriger une équipe tête que, que celle-ci Alors, certains auraient peut-être préféré un nom plus connu, mais ils vont devoir s'habituer à moi, car je suis ici pour durer. Ça, c'est bon, ça. Je ne sais pas encore. Je sais que j'ai encore du chemin à parcourir avant de pouvoir me hisser. Ah, ça, c'est plus, plus neutre. À la hauteur de mes plus illustres contemporains. Alors, au travail. Voilà. Légèrement positif. Vous avez eu très peu de temps pour préparer votre équipe avant votre premier match face à Brackley. Cela risque-t-il d'avoir un impact sur votre prestation Je suis ici pour construire sur la durée. Ce n'est que le premier match. Ça, c'est pas très... Et j'espère que ce sera une longue période de succès pour cette équipe. Alors, ça dit quoi de l'autre côté J'ai hérité d'un groupe de joueurs qui savent ce qu'on attend d'eux. Je leur fais entièrement confiance. Ça, c'est bien. Les bras écartés, genre euh, alléluia, mes frères. Salut, Jobilout. Ça va <laughs> Bienvenue à toi. On va dire ça. Alors, je viens peut-être d'arriver, mais pas les joueurs. Non, on va dire que. On a un super groupe, on est content. Euh, vous remplacez au club Team Flowers, euh, qui n'a pas su amener le succès espéré à Edgar Street. Euh, Pensez-vous capable de faire <coughs> franchir un cap à reyford? On va dire oui. Hein. Je l'espère bien, ce club mérite de réussir, et tout est en place pour que cela se produise. Alors, votre premier match à la tête de l'équipe, ce sera face à Braclay en FA Cup. Pensez-vous être prêt en si peu de temps après votre arrivée Alors, nous sommes prêts, c'est une bonne équipe. Mais nous avons suffisamment. Hein c'est une bonne équipe, mais nous avons suffisamment d'arguments pour obtenir un bon résultat. Ah, ça, je sais pas. Euh, je m'attendais à une forte opposition et à 90 minutes difficiles. Je m'attends. Voilà. Ça ne fait aucun doute. Ils sont en quoi, Braclé, d'ailleurs Je n'ai pas regardé. Ils sont comme nous Ah, ils sont au-dessus, peut-être. Ils sont en Vanarama euh, League. Ah, bah ben non, League North. Ils sont où, Braclé Ah, ouais, ils sont là. Bon, en vrai. Euh... Oh putain, on a 5 points, les gars. Ah là 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 C'est compliqué, cette histoire. Ce n'est qu'une rencontre parmi d'autres cette saison, rien de plus. Non, on va essayer de se, de se motiver. Hein. Nous sommes prêts. C'est une bonne équipe. Ouais, mais nous avons des arguments. Nous avons, mais nous avons suffisamment d'arguments pour obtenir un bon résultat. Les choses ne pouvaient pas mieux commencer pour moi. Une victoire face à eux me permettrait de mettre les supporters de mon côté et nous donnerait une excellente dynamique. On peut dire ça aussi. Euh, Pensez-vous pouvoir vous rapprocher des objectifs fixés par les dirigeants de Rayford en début de saison Alors là, euh, j'en sais rien. J'ai besoin de faire le point sur l'effectif actuel avant de m'aventurer à faire des pronostics. Bah après, on peut dire qu'on est hâte, hâte de se mettre au travail. Hein. J'ai beaucoup d'idées pour aider cette équipe et vous allez être surpris de la rapidité des changements. C'est bien. Euh, Pensez-vous que les trois prochains matchs soient pour vous l'occasion de bien débuter Putain, mais ils veulent, ils veulent des, des, des pronostics, des trucs qu'on vient d'arriver, quoi. Laissez-nous tranquille. Alors. Sans gestuelle, on va dire. Euh, je veux inculquer à mes joueurs une culture de la gagne ouais ça c'est bien et pour cela il est important que nous obtenions de bons résultats dès la première journée avez-vous une idée précise de ce que représente de ce que ressentent les joueurs de Rayford suite à votre nomination alors euh, nous ne sommes pas encore rencontrés ici euh, très brièvement je ne peux pas encore m'exprimer à ce sujet alors j'ai vu des joueurs Ouvert au changement et désireux d'adopter ouais, de nouvelles méthodes de travail, je m'en félicite. Très bien. Souhaitez-vous adresser un message aux supporters de RFord RF Alors, ces supporters sont parmi les plus fervents du monde. Et ils, ont... et ils font partie intégrante du club. Je vais devoir leur prouver que je suis l'entraîneur qu'il faut à ce club. Et j'espère obtenir leur soutien. Voilà, comme ça on fait allégeance. Vous voyez, on fait amende honorable. On met un genou à terre, on baisse la tête en demandant euh, d'être adoubé par les, support les supporters. Euh, où pensez-vous pouvoir emmener ce club Bah, en bus, faire un tour. <laughs> Alors, tout le monde a une vision de nos jours. Mais nous estimons que la nôtre nous permettra de réussir sur la durée. Euh, il n'y a qu'une façon d'aborder les choses, c'est d'être les meilleurs. Ouais, ça, ça fait un peu trop... Voilà, c'est chaud. Oh Bonjour à tous Bienvenue, chers amis du raid <laughs> Merci, merci à Bibi Bibi Imperator Merci, 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 merci mille fois pour le, pour le raid. <laughs> Bienvenue à tous. Bizarre, je vois pas Buffy. Ah si. Buffy contre les vampires. Voilà, oh ref. <laughs> euh, du coup, il ne sert pas à grand chose de se concentrer sur le long terme si on ne réussit pas nos débuts. Ouais, on va mettre ça, hein. Ah, on peut pas. Alors pas avec ça. Pointer du doigt, on va le montrer. Il faut prendre des choses les unes après les autres, et il y a beaucoup de travail à effectuer et il faudra bien débuter. Non, on va dire ça, on va dire que. Voilà. Positif. Bien. Comment abordez-vous les entraînements au quotidien euh, bah, Je les délègue. <laughs> <laughs> Passionné de simulation, c'est moyen ça quand même, non. <laughs> euh, ouais Non, mais non, mais non. Mais non, vous inquiétez pas. <laughs> ça se passe bien, même quand je simule, ça se passe très bien. <laughs> euh, alors, comment abordez-vous donc les entraînements au quotidien Il est encore trop tôt pour le dire. On va dire que mon staff et moi-même faisons attention à, à tenir un juste équilibre. Voilà. Pourquoi avoir choisi R.F. Ford Ça dépend de la situation, Bibi. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Mamzelle Buffy est un running gag Mais pourquoi Expliquez. Merci, merci Bibi Imperator. Bravo à toi. Le Bibi nous a raid. Ça fait plaisir. Et bonne nuit à toi du coup et bon courage pour demain. Je cours après les vannes. <laughs> bah de savoir si t'es dans le raid ou pas. <laughs> euh, du coup... Pourquoi avoir choisi Rayford, du coup euh, Ce club est immense. Non, c'est un immense club euh, qui ne peut laisser personne indifférent. Son succès est garanti. Bon, c'est presque... C'est un peu du foutage de gueule de dire ça. J'estime que le club a un énorme potentiel. Ouais, ça, c'est mieux. Et je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir le réaliser. <laughs> Rien ne m'a séduit. <laughs> non, plus qu'autre chose. Ah, non, c'est bon. Un sourire chaleureusement, on va dire ça. Combien de travail sera nécessaire selon vous pour remettre l'effectif à niveau Je la tête, on va dire. Je ne connais pas la réponse à cette question. Les joueurs vont devoir me montrer ce dont ils sont capables tous les jours à l'entraînement. Ah merde, j'ai perdu un truc. Euh, quelle est l'importance des joueurs tels que euh, Kane, Thompson, Summers au sein de votre effectif ben, je suis conscient de son potentiel et je vais tout faire. Pour l'aider à l'atteindre. Alors. Du monde en plus qui vient pour voir le premier match. Ouais, carrément. <laughs> Et vous étiez sur quoi, vous, avant, euh, du coup, la, la commu de Bibi Vous étiez sur. Euh, vous étiez aussi sur. Euh, sur Football Manager, ou vous étiez sur autre chose Ah ouais, sur FM. Ok, d'accord. Cool. Bah bienvenue. Moi, je suis, je suis pas, pas débutant, mais euh, voilà, je suis pas non plus, euh, je suis pas non plus un pro. Donc, euh, du coup, euh, c'est la première partie que je fais sur FM 23 et j'ai décidé de le partager avec ma, avec ma commune. Et donc, euh, donc voilà, quoi. j'essaye de, de, de progresser. J'ai démarré sans, sans boulot, sans diplôme et en footballeur du dimanche. Donc là, on est en sixième div anglaise et euh, on a été recruté au bout de 12 journées de ce championnat. Donc on part vraiment du fond du tableau. On est 24 e et on a joué déjà 12, euh, 12 matchs. Donc euh, voilà. <laughs> donc c'est chaud. Donc là, on va essayer de rattraper les conneries du... du... De l'entraîneur d'avant. Alors, les gens tiennent à voir une véritable réponse de votre part. Combien de temps sera nécessaire, ce, selon vous, pour remettre l'effectif à niveau Putain, mais il m'emmerde, lui, avec ses questions nulles. Euh... Bah, C'est ce que j'ai hâte de constater, quoi. L'équipe possède des joueurs de grande qualité. Et je les pense capables d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est bon à quel poste estimez-vous avoir le plus besoin de renforcer l'effectif euh, Non, je dirais un, un attaquant, un attaquant centre. Comment décririez-vous décri, décririez votre style s'agissant de la gestion des joueurs euh, Alors, je veux que chaque, chaque joueur sache euh, bien. Qu'il peut venir me parler à tout moment. Ça, ça me paraît évident. Alors. Putain, mais c'est long. On dit souvent que chaque entraîneur a sa compétition favorite. Allez-vous tout faire pour bien, pour bien figurer en Vanarama North Bah ouais, j'ai pas trop le choix, sinon je vais me faire éjecter. <laughs> le championnat est, à base, est la base de la réussite d'un club. Et ce doit être notre priorité. C'est tout bon Dis donc, hein. Récapitulatif. Alors, positif. J'estime que notre conférence de presse s'est bien passée. Ok. Ok. Bon, très bien. Allez, c'est parti. On va approcher du match. Fever veut réussir sur la durée. Ah, tirage au sort pour la Coupe d'Angleterre. 80 équipes. On passe le tirage, on s'en fout. Et on va arriver enfin à notre premier match. Tu peux la terminer en bas à droite. Ah, il fallait pas répondre à toutes les questions Bah, si, quand même, non Non Je sais plus. Alors, voir le tirage au sort. Est-ce qu'on va se voir, nous, dedans On a beaucoup d'infos. Hein. Euh, Qui est-ce qu'on va rencontrer Ah, Ereford. Eh, c'est cool, regardez, on va pas jouer. C'est bizarre qu'on ait personne en face. Ça veut dire qu'on passe un tour Enfin genre on rencontrera le gagnant de d'un euh, autre match peut-être. Ça peut être ça. Alors. Aperçu les supporters prêts à en découdre. Alors, conseil de sélection de l'équipe. Non, mais là, non, je laisse euh, comme c'est. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Grande première pour Fan the Fever. RFord face à Brackley. Comment ça Pedgick veut plus de la part d'un entretien à critiquer Dan Jarvis, affirmant qu'un joueur de son niveau devrait se devait de montrer beaucoup plus sur le terrain. Petit a laissé entendre euh, que malgré une série de prestations décevantes de l'équipe, Jarvis était encore capable de renverser la tendance. A commencé mercredi face à Brackley. Jarvis est très en vue avec R. Ford où il a été prêté cette saison. Conférence de presse d'avant-match. Alors j'ai hâte de voir. Nos joueurs balancer des grands ballons de vent. Ouais, franchement, je suis curieux de voir notre kick and rush pour voir si ça va fonctionner ou pas. Allez, débuter la conférence de presse. Après avoir euh, fait le match nul lors de la première rencontre face à Brackley, euh, pensez-vous être mieux placé désormais pour aller chercher une victoire euh... Oui, nous savons ce qu'il nous reste à faire pour les battre. Okay. Euh, vous avez eu le temps d'analyser votre rencontre face à Brackley. Qu'attendez-vous de différent de la part de vos joueurs lors d'un match à rejouer. Euh... J'ai revu la rencontre et il y a certains domaines dans lesquels nous pouvons faire un peu mieux. Je pense également que nous connaissons mieux notre adversaire désormais, ce qui pourrait faire la différence. Inexpressif, j'aime bien le. C'est toujours Simba, hein, c'est toujours lui qui nous, nous interviewe. En gros, il dort devant le Clubhouse du, de, de R. Ford. Alors certains estiment que les matchs à rejouer en coupe ne font qu'alourdir un calendrier déjà chargé et, euh, et n'ont plus leur place dans le football moderne. Partagez-vous cet avis et devrait-on les supprimer Pff, Bah ouais, peut-être non. Euh, c'est un point de vue que je peux comprendre et il est vrai que j'aurais préféré éviter de disputer un match supplémentaire clairement, euh, ce match supplémentaire vous a-t-il posé des problèmes dans votre préparation? Euh... je reste frustré de ne pas avoir fait la différence. non, c'est loin d'être l'idéal pour les joueurs, c'est sûr. mais nous avons, mais nous allons... mais nous allons, pardon, jouer nos chants jusqu'au bout. Euh, on ne peut pas occulter la possibilité d'une prolongation et d'une séance de tir au but euh, lorsqu'un match est à rejouer. Vous y êtes-vous préparé euh, Je ne veux pas en parler, comme ça on garde le mystère. Euh, comment pensez-vous que Dan Jarvis va gérer les critiques dont il a fait l'objet On va dire qu'il est pro. Il va leur clouer le bec. Mmh, C'est chaud. Euh, Dan serait très bien. Dan sait très bien, pardon, qu'il a eu du mal. Qu'il a eu du mal en ce moment, mais il est déterminé à rectifier la situation. Il est donc capable de gérer la pression. La situation va vite se calmer. Alors oui, je n'ai aucun doute à ce sujet. Bah ouais, c'est un bon joueur, voilà. Est-il important que Jarvis réagisse rapidement sur le terrain et fasse taire ses critiques Ce sont les journalistes qui le critiquent. Je n'ai pas à répondre à cette question. où personne ici ne prête euh, attention aux critiques, le travail, à f... le travail fourni par Jarvis est apprécié. Je suis le seul à chanter la chanson à chaque fois qu'il parle de Simba. <laughs> Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur les rumeurs qui font part de votre intérêt pour le joueur de Stafford Kelly N. Ney Je vois même pas qui c'est, c'est qui ce garçon Bonjour Bonjour mon petit. Alors. De toute façon, on n'a pas de sous. Euh... Il est peu probable que nous fassions une offre pour ce joueur pour le moment. Clairement pas. Euh... My Story, ça c'est un méga. Sera-t-il décisif aujourd'hui? Je sais même plus si sur, si sur la feuille de match. Euh... My Story. Alors, euh... c'est ce genre de rencontre qui lui convient. Alors, espérons-le. On va dire ça. Euh, Dino Visser a-t-il sa place dans l'équipe qui affrontera Braclay alors que selon certaines sources, il n'aurait pas montré grand-chose à l'entraînement ces derniers temps Mais putain, mais c'est vraiment des fouilles merdes, hein, en vrai. Vous avez pas autre chose à foutre Qu'est-ce que vous en savez, ce qu'il fait à l'entraînement Ah, oh, les mecs Alors, le peut-il Oui. Est-ce que ce sera le cas Je ne le sais pas. Non, il faut soutenir le joueur. Euh, « Disons que ceux qui ne s'impliquent pas suffisamment à l'entraînement ont peu de chance de jouer. Interprétez cela comme vous voulez. » Sachant que là, il est sur la feuille de match. Voilà. Ok, passé au résumé. C'était parfait, hein, franchement, comme euh, conférence de presse. Nul à chier, donc... Euh... Non, il n'y aura pas euh, n on prendra pas, je pense. Présentation des joueurs... <laughs> Euh... Ouais, bah ça en fera ça euh, plus tard. Calmez-vous. On veut accéder au premier match, s'il vous plaît, pour terminer cette première vidéo. Alors, Johnson pense que Ford Fever aura du mal. Merci. Euh, Roger Johnson a répondu à plusieurs questions lors de la conférence de presse d'avant rencontre. Évoquant au sujet. Alors vous allez rencontrer R. Ford et son nouvel entraîneur. Hmm. Comment en voyez-vous Il est clair qu'il est en train de se faire une réputation, mais je me demande tout de même s'il a suffisamment, suffisamment d'expérience pour réussir à ce poste. Ben, c'est ce qu'on va voir, c'est un tout. Qu'est-ce que vous croyez En tout cas, le moral est gonflé et voilà quoi. Zut, flûte. C'est parti. On va enfin jouer notre premier match. Vanarama Vanara North. Ok, Balek. Attente pour le prochain match face à Brackley. Euh, je souhaite attirer votre attention sur les attentes de notre prochain match qui se dispute. Alors, attente des dirigeants. Oh putain, tout le monde s'attend à ce qu'on perde là Non. Bah, super, les mecs. Merci, hein. pense que Dale Eve devrait débuter la rencontre. Non Vous me faites chier, c'est moi qui décide. Je zappe les confs, je trouve ça pénible. Ouais, franchement, euh, pff, nul. T'envoies l'adjoint, c'est ça Présentation des transferts. Bon, allez, on s'en fout. Eh, on s'en fout. Ah Ça va aller. Ça va venir test physique. Ouais, Pinchard, il est apte. n'est pas encore surveillé à 100%. Voici les résultats des tests physiques. L'équipe médicale vous indique que bien que vous soyez libre d'ignorer ses conseils, vous augmenteriez le risque d'aggravation des problèmes de santé existants en faisant appel à des joueurs qui sont encore en phase de récup. Non, bah lui, il est bon là. C'est bon, c'est bon, ça va le faire. Réunion tactique. Euh, on a bien mis nos joueurs. Ah, effectuer les changements, mais non. Non, 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 non. Eh, mais attendez, si je dois l'écouter, euh, en vrai, lui, il changerait tout, quoi. Non, 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 non. Balek, euh, touche à rien. Non, non, non. Il est fou, lui. Terminé. Sélection de l'équipe. C'est bien ce qu'on avait dit. Tout est en place. Ah oui, c'est le tuto, putain. J'aurais dû les, dé les dégager. Ouais, ouais, on va voir. Allez, on valide. Attends. Euh, N'est pas à 100% et pourrait avoir du mal à terminer la rencontre. Eh bah, ben, il sera changé. Hein. sont en manque de temps de jeu et pourraient être... passer au match. Oui. Ah là là, putain, les victimes. Offensé. Ah. Les joueurs choisis pour le match à venir ont été informés du 11 de départ et de la tactique employée. Terminé Alors pourquoi lui il est offensé Pourquoi Parce qu'il joue soutien au lieu de attaquant Bon, lui je comprends pas pourquoi il est offensé. Hein. Franchement. Euh... Il y en a qui sont enhardis, il y en a qui sont euh, sont saoulés quoi. Alors Déclenchons le prestige le Ça on peut le faire ça. Conside particulière sur Martin Wood. Ça y est, on entend le son. Alors, du coup, on va essayer de les motiver. Ah, putain. Les bras écartés. Alors, prenez du plaisir. Mains sur les hanches, les poings serrés. Nous sommes en forme à domicile. Alors à nous d'en profiter. On se doit de remporter nos matchs à domicile. On ne peut pas se trouver d'excuses. Donnez-vous à fond pour que les supporters en aient pour leur argent. Non. On ne peut pas se trouver d'excuses. Il y en a un qui est un peu plus motivé. Ouais. Ah oui, et là on peut, c'est vrai. D'accord. Ça je me souvenais plus. Sans gestuel. Non, bah là, on va, on va rien dire, on va les laisser jouer. Apparu motivé. Allez, on y va. Présentation du match. RFord. Ah, ils ont déjà des cartons en coupe, en fait. Bon, J'espère qu'ils vont pas tout, tout niquer. Bon, vous êtes prêts Bienvenue, les amis. Bienvenue pour cette rencontre. Ereford, Brackley en FA Cup. Ereford joue à domicile en blanc et euh, Brackford, Brackley pardon, en rouge. Les commentateurs ont pris place dans la cabine. Ouais. Oui. Des modifications de tactique peuvent être possibles, d'accord Oui 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 Mhm mm Mhm mm D'accord. Alors, mini résumé, réalisateur, ouais, c'est bon Allez, ça balance devant. Allez, on va les laisser se mettre en dégagement de viscères. <coughs> Première minute. Tête d'Amadi ratée. Ah, bah eux aussi, ils, ils balancent devant. Allez, récupération viscère. viscère fait son petit libéro. Et il balance loin devant. Barnett. Ok. Drew. Attention. Voilà. Ok. Ça passe largement au-dessus. Allez, corner pour nous. Coup de pirate tiré par Holmes. Mm -hmm. Allez Jarvis mon grand. Allez Ouais. Et Jarvis il joue avec les boîtes de godass, il a oublié de retirer les boîtes des chaussures. Il aime bien tirer en haut. Au dessus. On a fait un tir. Allez, corner. Ah oh oui. 1-0. Oh non, il est hors jeu. Merde. Oh. Genre, il est hors jeu. Ils sont durs. hein. Mais c'est pas grave, au moins il marque. Défense très compacte. Ouais, on dérange. C'est bien, ça va le faire. Allez, un m'a dit sur les ailiers. Hommes qui traverse, ça. Bien Jarvis, par contre, pour récupérer, c'est quand tu veux. Hein. C'est pas grave. Ils ont personne au milieu, enfin ils défendent fort bas. Hein. Allez, Amadi, c'est pas grave. Pour l'instant, les notes, euh, ouais, elles sont de 6-8, euh, 6-8. On a Lily qui a 7. Beau tir cadré. C'est leur premier tir cadré je crois. On est souvent chez eux j'ai l'impression. Alors je sais bien que dans FM ça veut rien dire hein, mais... Allez, ça se structure. C'était dangereux là. Hein. Allez Thompson. Ah oui. Eh. Maintenant, putain, hors jeu. Et hors jeu. C'est pas grave. C'est le deuxième combat. Ouais, bon, là, d'accord. Ok. On va les encourager. <laughs> les mecs ils font n'importe. Holmes. Elle est sortie Non. Lloyd. Lloyd. Vers Thompson. Oh Énorme. S'il n'y avait pas la main du gardien, c'était bon. C'est pas mal ça. Alors attends, attendez. Ajouter une consigne particulière pour Adam Rooney. Toujours passé. Toujours pressé. Ouais, on peut faire ça. Adam Rooney, c'est le gardien, non Ah non. Il est où lui Rouné, rouné, Ah c'est un attaquant. Ouais on peut le presser hein. Allez on continue. Alors on a fait quoi pour l'instant 5 tirs 1, euh, 0 hein, cadré. Pourquoi il nous dit ça lui D'accord. Ok. Hmm. Tac le remporté. Ils en ont réussi. Putain 100% hein. Peut-être remporté, par contre on est meilleur en tête. Notre moyenne, pour l'instant, notre note moyenne est au-dessus de... Bon, après, c'est des équipes de bas niveau, hein, donc forcément, il ne faut pas s'attendre à voir du jeu de ouf, hein, ça c'est clair. Mais j'ai l'impression que notre tactique fonctionne. On arrive à se porter vers l'attaque et on arrive à, à tirer au but. Même si on est en jeu, tout ça c'est du réglage, c'est rien. Oh là Allez dans notre cul. Ah oh, merde. Relance dans l'axe. Ouais. Non mais c'est l'autre là, qu'est-ce qu'il fait, Lloyd Genre il est là comme ça, il attend. Le ballon, il fait pont. Il regarde le ballon, Pilote, il lui passe derrière. Oh, il... On va leur dire de se concentrer. Là ça va être la mi-temps, putain 0-0. 1 Ah ouais, vous voyez, pourtant, pourtant dans les dans les XG, on n'est on est, on est pas mauvais, quoi. Par rapport à eux. Ouais. C'est compliqué, hein. Bon. Euh, bah direction les vestiaires. Hein. Alors là, ben... Bah... Anxieux. <laughs> tu m'étonnes. Alors qu'est-ce qu'on peut leur dire Alors lui, l'adjoint nous conseille de leur dire que euh, la qualité des tirs est très insuffisante. Je veux voir autre chose en seconde période. Il faut dépasser, il faut se dépasser et donner tout ce qui nous reste. On peut, on mérite de s'imposer ce soir. En fait, j'hésite à jouer le motivateur à fond. Hmm, Qu'est-ce que je peux dire Mais c'est vrai que bah, les tirs, euh, pourtant, euh, vous êtes à côté de la plaque. Non, c'est trop dur. Alors, je sais que vous êtes capable de mieux. Alors, montrez-moi un, un autre visage en seconde période. Non, on va dire qu'il faut se dépasser, mais par contre, on va. Pointez du doigt si on peut. On les points serrés, faut se dépasser et tout donner. Et ils en ont, rien à foutre. <laughs> Attaquants, on peut les féliciter eux, hein, quand même parce qu'ils ont quand même mis deux buts, même si euh, voilà. Euh, ne lâchez rien. Vous savez que vous avez les moyens de faire la différence, alors prouvez-le. Voilà. Les défenseurs. Mmh. Je ne suis pas du tout satisfait. C'était pas mal, mais je crois que vous êtes capable de mieux. Non. Je ne suis pas du tout satisfait de votre travail. Voilà, semblait motivé, et les milieux par contre, euh, pareil hein, ne lâchez rien, prouvez-le. Voilà, bon déjà on leur a mis un petit coup, de, petit coup de boost. Allez, débuter la seconde période. Alors j'ai pas regardé, merde, les remplaçants. Comment on voit s'ils sont fatigués ou pas Je me souviens plus. Euh, comment on voit ça Ah, tactique 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 joueur même joueur joue encore putain mais tuto non piraté non mais merde comment on voit s'ils sont fatigués putain lui il est cramé à ma et du coup euh... qu'est-ce qu'on fait on fait rentrer quelqu'un Euh, le cœur, ouais. Le cœur. Du coup, est-ce qu'on fait rentrer euh, Maestoré Parce qu'il est quand même bon en buteur, hein. Enfin, il est bon. Il accélère, quoi. On va faire rentrer Maestoré. Allez, Maestoré à la place de du coup Amadi. C'est parti. Barnett, il tient le coup, en tout cas, pour le moment. Euh, causerie aux joueurs. Les bras écartés. Il vous reste encore beaucoup de temps pour changer le déroulement de ce match. Non, on peut essayer de jouer sans pression. Non, il y a un petit peu de pression quand même. Je crois en vous. Donnez tout et faites la différence. Ça, ça aurait pu lui mettre un peu la pression, par contre. <laughs> euh, oui. Hein Qu'est-ce qui se passe Ah oui, confirmer le remplacement, pardon. Pardon, excusez-moi, je m'emmène les pinceaux avec les menus. On va y arriver, on va y arriver. <coughs> Allez, la défense. Putain, ils sont... Ils, sont, ils ont l'initiative. Ils ont, ils ont hein. Alors, qu'est-ce qu'ils me font Allez Evans, dégage ça. Bien. Thomson Summers. Bon pour le moment c'est pas une franche réussite. Hein. Euh, après on le sait, hein, on vient d'arriver, on n'est pas crédible, on n'a pas de diplôme, euh... y a ça. On n'a pas les meilleurs joueurs du monde, même si ça va à peu près. D'ailleurs on ne prend pas une déculottée. Hein. En vrai, euh, je sais pas, on a un joueur qui s'est bloqué, j'ai eu l'impression. Allez c'est bien ça. Ben voilà. voilà ça c'est parfait. Ça, c'est parfait. Allez, on les félicite. Allez, ils sont à trois dessus, c'est bien. En défense, c'est pas si mal, en vrai. Hein. Même si on est mené 1-0, je trouve que c'est pas. Ça va. Vous voyez, ils sont en place. Défenseur strict. Très bien. Voilà, maintenant c'est à l'avant à faire le. Voilà, allez, Barnett. Allez, mouvement. Tire Non, mais. Aucun tir cadré, quoi. On a zéro tir cadré, les amis. 7 tirs. Ça commence à fatiguer, Il va falloir penser au remplacement. Oh putain, non. Oh. C'est une cratapulte. Ils ne pas cadrer, non. Et puis là, tu vois, le, le coup du gardien libéraux, tu vois, c'est ça que j'avais peur. Tu vois, c'est que le gars, il avance trop, qu'en fait, il soit, euh, il soit débordé par le, par le, par le truc, en fait. Bon, il faut que je fasse des remplacements. Remplacement. Alors, qu'est-ce qu'on a Bon là c'est plié, en vrai euh, je ne vois pas remonter, euh, faire la remontada, euh... je pense que ça va être compliqué. Euh, les fatigués, Summers, Thompson Summers, c'est lui, il est à gauche. Du coup est-ce qu'on aimerait pas mettre, euh, comment il s'appelle, Pinchard à la place de, ah non ouais il propose là... Euh... Alors attendez, qui peut remplacer ouais donc Pinchard, c'est bien ce que je dis. Bon allez, bonne soirée, je vais essayer de dormir à plus. Merci mon Kevin, bonne nuit à toi et bon courage pour demain. Causerie. Pointez du doigt. J'attends de vous que vous ayez un impact sur ce match. Il reste encore beaucoup de... Mesurer. Ok, confirmé. Le remplacement. On a qui d'autre Dépuisé. Pendley. Ah, on aurait pu faire un deuxième remplacement. Attendez. Euh, Pendley, il est fatigué. On va mettre Ainz à la place. Hop. Et c'est tout. Et lui, il va falloir... Euh, Aaron, il va falloir qu'il... Il va falloir qu'il termine le match. Hein. Bon, les défenseurs, je leur mets pas de causerie en général. C'est tout bon. Pardon. Je m'as trompé. Oh, ça y est, on a deux tirs cadrés. Putain, c'est pas foufou. Hein. Allez, on leur pique la balle. Barnett. Allez, Jarvis. C'est bien ça Holmes, allez Bien Au moins des tirs cadrés quoi. Si on perd tant pis, mais d'avoir un, euh, un petit sursaut quoi. Ok, ça balance devant. Jarvis. Mais putain, Heinz Heureusement qu'ils sont nuls aussi hein. oh, Les supporters de RFort s'en vont déjà. aïe aïe. aïe. C'est plus des erreurs les deux buts que de la tactique, non. Oui, oui, c'est vrai. De toute façon, il, faut, il va falloir laisser euh, tourner un moment. Donc, euh, t'as raison, hein, il voilà, faut que je me rassure aussi, quoi. En vrai, un petit 2-1, ça ferait plaisir, mais euh, bon, je pense que c'est mort. Et puis, il faut pas oublier, on a mis deux buts, on était hors-jeu, mais on, le premier, franchement, on était à la limite du hors-jeu. Hein. Franchement, euh, le premier, il aurait pu compter. Donc, allez, on va dire 2-1. C'est pas non plus ridicule. Et puis, il faut le temps que ça s'installe, quoi. Faut le temps que ça s'installe, prennent des automatismes et tout. Putain, on va y prendre une quand même. C'est chaud, c'est chaud, ni la ni la neve. Patrick Sébastien, je t'aime. Je te dédicace ce match et cette bière, que je m'apprête à m'envoyer tu sec à la Russe. Allez, petit gars, c'est bien. Oh oui, c'est beau ça. Bah ben, voilà Bravo Barnett. Bravo Tyron. Premier but. On voit l'action. Mieux terrain qui passe à Storey. Donc Jarvis qui passe à Storey. Holmes. Donc c'est bien ce que tu m'as dit, euh, les attaquants. Enfin, les faire des. Euh, les avoir mis en ailier à athée ou de ce côté-là c'est un Élier soutien. Je me souviens plus de ma tactique. Attendez. Uh, where is my tactique My tactique is in the kitchen. Ah, attendez, parce que là on va rater l'action. Allez C'est nul <laughs> Si on en prend un là je suis dead. C'est bon. pas cadré et c'est terminé je pose. Victoire de Brackley sur le score final de 2 à 1 Je pense qu'on n'a pas démérité quand même Je pense qu'en vrai si on fait l'analyse Regardez On est plus haut que sur tout, tout le truc Je suis vraiment dégueu qu'on n'ait pas gagné parce que on aurait mérité, je pense, de gagner les deux buts qu'on n'a pas mis. Et on a combien de tirs cadrés 6 tirs cadrés, regardez, sur 13. Donc ça fait 1 sur 2, c'est pas mal. Regardez par rapport à eux. 10 sur 3. Hein. Donc c'est pas. C'est pas, pas bon en fait. Ils gagnent sur, sur rien, quoi. Alors je sais bien, il faut gagner les matchs et tout, mais là, en vrai. Euh... C'est pas si mauvais. Hein. Et regardez, on a deux buts de refusé. En vrai, on les, on les prend, hein. On les prend. Par contre, on fait beaucoup de fautes. Un vrai discours de coach. <laughs> Alors. Comprend en raison de son état de fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire Concentré, motivé. Euh... Les mains dans les poches. Alors, il est décevant de ne pas s'être imposé, étant donné notre domination et le nombre de nos occasions. Ça, c'est vrai que c'est c'est pas faux quoi. Très bien, ça les a motivés. Ouais, de temps en temps, faut les faut les secouer un peu. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Fouh Bon, bah moi je suis assez content en fait, finalement, de la tactique qu'on a créée ensemble, qu'on a, qu a déployée, et du coup, bah, du premier match qu'on a fait. On perd, certes, mais, 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 il y, euh, y a du beau, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, franchement, euh, franchement, c'est pas si mal, c'est pas si mauvais que ça. Euh, merde. Ah, bah, déjà, euh, <laughs> la FA Cup, c'est terminé, quoi. Bon, déjà, c'est un échec. Le président, les dirigeants sont déçus que l'équipe ait seulement atteint le quatrième tour. Euh, ils reconnaissent cependant que le tirage au sort n'avait pas été clément pour l'équipe. C'est surtout que là j'arrive en plein milieu. Si vous m'aviez pris au début de saison, on aurait peut-être déjà eu des automatismes et des trucs. Donc, euh... donc voilà quoi. Voilà, voilà. Je regrette pas le gardien finalement, ça va. Il n'a a pas fait de conneries ni rien. Euh, non, c'est, encourageant. Franchement, c'est encourageant. Je suis, euh, je suis pas déçu. Par rapport à tout ce qu'on a fait, euh, tout ce qu'on a fait. Ah, on a reçu un peu de cash. Bon bah c'est bien. Cool. Bah, ça on verra, euh, on verra. La prochaine fois. Bon du coup les amis, on va s'arrêter là. Je vous remercie énormément, du coup, de m'avoir suivi. Merci à Bibi Imperator pour le raid. Ça fait super plaisir. Et puis, euh, bah écoutez, on va se retrouver, nous, ce sera mercredi pour, euh, pour du euh, SnowRunner, pardon. J'ai eu un bug. Euh, et puis, bah, vous retrouverez euh, cette vidéo sur YouTube euh, très rapidement. Euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça a été un petit peu long parce que, voilà, il y a eu beaucoup de choses à, à traiter. Mais là, je pense qu'on a réfléchi, on a vraiment une tactique, un truc qui va se mettre en place, et maintenant, on va laisser les joueurs s'approprier les choses et vraiment, euh, euh, et vraiment progresser, quoi. Parce que c'est ça dont ils ont besoin. On n'a pas de blessés. Donc ça, c'est cool. Par contre, ils ont un gros risque de, de, de blessure. Donc on va voir si l'intensité n'est pas trop haute. J'espère que non. Euh, mais franchement, euh, franchement, on peut, être, on peut être content de ce qu'on a mis en place. Et n'oubliez pas, on est en 6 sixième div, les mecs, c'est pas des cracks. Hein. Je vous dis. Euh, les gars, voilà, vous voyez, en point négatif, on a un peu de perte de balles. On a une faible influence. Voilà. But adverse sur tir de loin. Mm -hmm. Incursion adverse dans les. Voilà. Par contre, on a des bonnes récupérations de ballons. Des bonnes touches de balles. Euh, but adverse sur tir dans la surface. En vrai, euh, c'est pas si mal. Hein. Pourquoi il a un carton rouge lui Ah, en championnat il a un rouge Bon, ben, on fera ça la prochaine fois les amis, mais. Ah merde Il est suspendu pour un match. Bon, on verra, on verra, on fera tourner. Voilà, c'est ça. On a une bonne base. On a une bonne base à développer. Et il y a de quoi faire, je pense. Les amis, mille merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Donc, comme je vous disais, on se retrouve mercredi pour Snowrunner. Vendredi, on revient sur FM. Dimanche, Snowrunner. Lundi, FM, etc. Donc, euh, passez une bonne journée. Euh, une bonne nuit, pardon. Bon courage pour demain. Et on se retrouve mercredi. Bonne soirée. Salut!